gymnase le tout. Qu'est-ce que ces gens-là font? Surtout dans des boîtes comme chez Alors, je vois qu'il y a des gens très disciplinés derrière moi et qui ont très hâte de vous faire part de leurs réflexions. Alors, exceptionnellement, on va commencer à 9h pile. Alors, je suis Louise Poisson, doyenne de la Faculté des Arts et co-organisatrice du colloque. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Je me présente pour ceux que je connais. Il y a des gens que je ne connais pas, alors j'imagine que c'est réciproque. Le colloque international qui nous réunit porte sur le paradigme de la recherche-création et les enjeux qu'il soulève après quelques décennies de pratiques et de recherches dans les universités au Québec et ailleurs dans le monde. Cette rencontre s'inscrit dans une série de 4 colloques, 4 pour le moment, ça va peut-être changer, ou peut-être y en avoir plus. Il fait suite à un colloque que nous avions organisé conjointement avec le FRQSC en mai dernier. Il y a Denise Pérusse qui était là, qui a changé de place. Denise, ah oui, qui est là. Et qui avait été organisé par Denise Pérusse et Monique Régental, qui l'avait organisé et qui vous en diront quelques mots dans un instant. Cette première rencontre avait pour but de débusquer les pratiques et les problématiques ayant marqué l'émergence du paradigme de la recherche-création. Territoire d'innovation méthodologique sera suivi en 2015 d'une édition particulière de l'International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology qui fêtera son 10e anniversaire à Montréal avec un symposium intitulé Recreate, Theories, Methods and Practices of Research Creation in Histories of Media Art, Science and Technology. Ce symposium sera organisé par Hexagram Siam, qui réunit l'Université Concordia à l'UQAM et en collaboration avec le centre Le Kermit de McGill, sous la direction de Chris Salter, qui va intervenir cet après-midi dans notre colloque. Nous prévoyons aussi la tenue d'un 4e colloque sur les méthodologies de la recherche-création appliquées au domaine des arts de la scène. On sait combien les pratiques interdisciplinaires et le renouveau des aménagements scéniques appellent de nouvelles approches qu'il est encore difficile de cerner et de décrire. Cette rencontre se tiendra au début de l'année 2016. Le colloque actuel est plus général et recoupe des pratiques provenant de divers domaines, comme vous pourrez le constater. Il vise à réaliser un état des lieux des diverses approches méthodologiques combinant théorie et pratique, recherche et création. Il réunit une trentaine de participants, chercheurs et artistes, pour les 3 prochains jours afin d'échanger pratiques et points de vue. L'intégration relativement récente des disciplines artistiques dans les universités et l'ouverture des institutions subventionnaires aux arts ont favorisé l'émergence du concept de recherche-création. Ce nouveau territoire d'innovation méthodologique a donné lieu, depuis quelques décennies, à toute une série d'analyses et de réflexions visant à balayer le terrain et à poser des repères pour comprendre ce qui concourt au processus de création, pour faciliter les collaborations interdisciplinaires, pour valider certaines approches et pour accompagner la transmission en milieu académique. Le contexte universitaire, doublé des croisements interdisciplinaires, a favorisé l'émergence d'éléments méthodologiques et le besoin de réfléchir à ce qui contribue à la démarche créatrice. En effet, les collaborations et la rencontre de domaines différents que l'on cherche à pénétrer ou à partager obligent à préciser les étapes et les articulations de la démarche. Le questionnement de l'autre, partenaire ou collaborateur, exerce par ailleurs un effet qui retentit sur la position de l'artiste. La description et l'analyse des processus créatifs menés par les artistes sont aussi des plus déterminantes pour permettre d'investiguer ce qui rend la création possible. Les méthodes mises au point par les artistes, outre l'intérêt qu'elles présentent pour suivre et comprendre les enjeux actuels de l'art, servent en quelque sorte
de milieux de culture pour une recherche encore plus fondamentale portant sur les mécanismes mêmes de la création. La présentation de ces approches méthodologiques s'inscrit dans une écologie médiatique qui permet de relier l'agent, ici l'artiste, qui vise, à travers ses réactions et ses ressources, à transformer son environnement et le contexte de production incluant les outils, les techniques, le milieu culturel et la réception. À l'heure où la recherche se décline en recherche-développement, recherche-innovation, recherche-action, recherche-intervention, il devient essentiel de questionner la recherche-création. Qu'elle porte sur les matériaux, les techniques et les savoir-faire, ou sur les thèmes et les idées cristallisées dans l'œuvre, la recherche-création impose ses contraintes et ses procédures. Quels sont les impacts des programmes et de la des programmes subventionnels auxquels on est soumis en tant que chercheur et artiste? Alors, quels sont les impacts des programmes et de la démarche de la recherche-création sur la relation qu'entretient l'artiste à la recherche et à l'enseignement? Sur les rapports entre l'art et la science? Y a-t-il des réalisations exemplaires issues de démarches de recherche-création, des types d'œuvres, des approches, des processus? En quoi la recherche-création contribue-t-elle à l'évolution des disciplines artistiques aujourd'hui? En quoi la recherche-création a-t-elle mené à des innovations esthétiques, techniques et méthodologiques? C'est à ces questions que nos invités vont apporter un éclairage et des réponses qu'ils soumettent à la discussion. Avant de passer la parole à Denise Bérus, qui est analyste à la planification et à la gestion stratégique au FRQSC, au Fonds de recherche Québec Sciences et Culture, qui est un précieux partenaire dans l'organisation de ce colloque et dans l'ensemble de notre réflexion sur les méthodologies de la recherche-création, j'aimerais annoncer quelques activités qui se dérouleront en prolongement du colloque. D'abord, ce soir, nous continuerons nos échanges dans le cadre d'un cocktail à la SAT, la Société des arts technologiques. Je pense qu'on va s'y déplacer en plusieurs groupes, alors si vous ne savez pas où se trouve la SAT, vous pourrez emboîter le pas. Ce cocktail sera suivi de la projection dans la satosphère d'un film immersif et musical présentant l'harmoniolere du compositeur américain John Adams, interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de son chef, Kent Nagano. Demain soir, nous sommes conviés à l'ouverture du printemps numérique au Musée d'art contemporain, toujours tout de suite après les séances du colloque. Et vendredi soir, vous êtes invités à des projections dans le cadre du Festival des films sur l'art, le FIFA, qui fête cette année son 32e anniversaire. Il y aura d'abord deux courts films, un film de David O sur James Turrell, un film de 4 minutes, un film de Daniel Gordon, Gets Physical, un très court film aussi de 9 minutes, et un film de Marc Kaidel, Fabienne Verdier, Peindre l'instant. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour l'ensemble de nos activités, et sans plus tarder, je passe la parole à Denise, qui va vous présenter le fond, ses orientations et les intérêts pour nous. Alors, bonjour. Merci, Louise, de me donner la parole, de me donner quelques minutes en ouverture de ce colloque qui vise un état des lieux des différentes approches en recherche-création. Je prends la parole au nom du directeur scientifique du Fonds Société et Culture, M. Normand Labrie, qui n'a pu malheureusement se libérer, mais qui me libère, heureusement, en raison sûrement de mon implication dans la mise en place, l'évolution et le suivi des programmes de recherche et de création, mais aussi mon implication dans le développement d'initiatives intersectorielles autour d'innovations d'ordre esthétique, technique ou méthodologique qui seront lancées par les Fonds de recherche du Québec sous la gouverne du scientifique en chef. J'y reviens dans quelques instants, ou du moins à la fin de mon topo, pour donner un peu plus d'informations. Donc, intérêt évident du fonds d'entendre des chercheurs créateurs, des artistes et des chercheurs de divers horizons disciplinaires, et d'ici et d'ailleurs, sur la spécificité de la recherche-création, sur leur contribution, sur le plan méthodologique, sur les nouvelles approches en art, sur les rapports entre art et sciences. Je vais vous donner un petit rappel de la posture du fonds à l'égard de la recherche-création. D'abord,
nos programmes ou les programmes de soutien à la recherche-création constituent pour le Fonds Société et Culture un de ses fleurons. Hein, ça fait une de nos spécificités, on en est bien fiers. Pour nous, ces programmes ont permis à des chercheurs créateurs d'avoir accès à du financement, ce qui pour la plupart leur était impossible jusqu'alors, du moins à l'intérieur de l'institution universitaire. Peu de programmes, donc, de cette nature ailleurs dans le monde. Deuxièmement, les programmes de recherche-création, subvention, je parle d'appui à la recherche-création et établissement de nouveaux chercheurs-créateurs, sont à leur 12e édition cette année. C'est donc dire que les programmes de recherche-création sont jeunes, mais bien en selle. Ils prennent même de la maturité, et je dirais même, pour faire un jeu de mots, c'est un bon cru. Le fonds a reçu un nombre record de demandes pour le concours de l'automne 2013, près de 45 demandes, c'est beaucoup, alors qu'habituellement, au cours des 5 dernières années, on avait autour de 30 à 35 demandes. Donc encore là, ça montre bien la vigueur de ces programmes. Au chapitre des octrois, le fonds a accordé plus de 11 millions depuis sa création en bourses et subventions, c'est dire qu'à peu près une centaine de projets financés. Et je vois beaucoup de personnes ici dans la salle qui ont été financées par le Fonds Société et Culture. Au fil des années, le Fonds a ajusté ses interventions en matière de recherche-création et s'est assuré que le type de projet financé affiche un réel équilibre, ou du moins un équilibre certain, entre démarches réflexives et démarches créatrices. La notion de recherche-création, c'est adoptée par le Fonds, on la juge relativement souple. C'est affiné avec les années, mais demeure, on ne s'en cache pas, toujours difficile à cerner, voire questionner, et éminemment complexe, d'autant plus que les collaborations et les croisements disciplinaires s'intensifient. Enfin, la richesse de la démarche de recherche-création, c'est qu'elle engage une pluralité de disciplines, de thématiques, et réunit une multitude d'acteurs qui ont des pratiques et des méthodologies de recherche et d'art diversifiées dans plusieurs milieux, et qu'elles donnent une place capitale au processus créateur dans les approches et les pratiques adoptées. Cette richesse de la démarche, le Fonds a voulu en témoigner en organisant, et Louise en a parlé, et Monique va aussi surenchérir dans quelques instants, donc en organisant conjointement avec l'UQAM, et des chercheurs attachés à l'ensemble des facultés des arts, des lettres et de musique au Québec, une journée de colloque dans le cadre de l'ACFAS, intitulée « La recherche-création dans l'Université du 21e siècle ». Cette journée qui a eu lieu en mai 2012, et j'ai eu le bonheur de l'organiser avec Monique Régin-Balzébert, donc cette journée a eu lieu, et ça a été le moment de faire parler des chercheurs créateurs de leur démarche et leur contribution sur le plan esthétique, méthodologique ou technique, de mettre en évidence la spécificité et l'originalité de la démarche de recherche-création par rapport à d'autres types de recherches, et de voir des chercheurs-créateurs à l'œuvre dans le cadre d'une rafale maison ou d'un pêcha-coucha, mais vraiment formule un peu simplifiée, présentant leurs réalisations issues de leur démarche. Ce fut une occasion unique de voir toute la richesse d'une démarche que je qualifierais de protéiforme, génératrice d'esthétique, et de méthodes qui régénèrent art et recherche. Également, et pour finir, le Fonds a participé en février 2013 à l'organisation d'un forum de réflexion intersectoriel intitulé « Art, culture et mieux-être » en collaboration avec l'UQAM et Concordia. Ce forum répondait à l'invitation lancée par le scientifique en chef dans le cadre d'un appel à des initiatives intersectorielles auprès de la communauté scientifique. Ce forum a réuni une centaine de personnes d'horizons très divers afin de réfléchir et d'échanger ensemble sur un cadre où l'expérience et la pratique des arts reflètent des préoccupations focusées ou centrées sur le mieux-être, mieux-être pris dans son sens anthropologique. Il s'agissait donc de donner une plus grande visibilité à la recherche en art et culture, et surtout de faire reconnaître sa contribution au développement, à la transformation et à l'épanouissement de la société québécoise. À l'issue de ce forum, des pistes d'action et des priorités de recherche ont été dégagées en vue de futurs appels de propositions. Une politique nationale de recherche et d'innovation a été annoncée, politique qui encourage notamment les démarches de recherche-création, de recherche-action, la créativité et les innovations méthodologiques.
des plans stratégiques ont été adoptés pour chacun des fonds de recherche. Le Fonds Société Culture, de concert aussi avec les deux autres fonds, entend soutenir davantage le réseautage ou les synergies entre les acteurs issus de différents secteurs et milieux de recherche au cours des prochaines années. Et finalement, et je reviens à mon début, des initiatives intersectorielles seront mises en œuvre de l'avant au cours de la prochaine année, dont certaines incitant des collaborations très étroites entre les chercheurs, créateurs et les scientifiques. Voilà, donc ces paroles, je dirais, empreintes d'optimisme en l'attente de l'issue des élections. Je vous souhaite donc un super colloque. Et soyez assurés que je suis les oreilles du fond ou des fonds à l'écoute de ce qui va s'échanger sur la singularité de la démarche de recherche-création, sur la portée de la recherche-création comme lieu ou terrain propice à l'innovation méthodologique. Merci, mon colloque. Alors, je vais passer le micro à Ménée Trigembas-Zébert, qui est professeure à la Faculté des Arts, à l'École des Arts Visuels et Médiatiques. Ménée, qui était, vous vous en doutez, co-organisatrice du colloque, avec Pierre Gosselin, qui est tout à sa gauche, qui a aussi participé activement dans notre équipe d'organisation. Et je vous présenterai chacun des co-organisateurs au moment où ils interviendront. Bon colloque. Merci Louise. Bonjour tout le monde et merci d'être là. J'avais écrit quelque chose. Et tout à l'heure, j'avais écrit le prêt. Et il y a des gens qui ont hâte de parler et que vous avez hâte d'entendre. Alors, je l'ai écrit. Alors, on est quand même dans le deuxième moment d'un exercice qui a commencé, comme le disait tout à l'heure, de Louise à la France, où c'était poser des questions, comme le disait Louise, sur les impacts sur les programmes, la question des réalisations exemplaires et justement la question du foisonnement méthodologique et de la création d'une nouvelle méthodologie. Ajoutons que dans l'énoncé d'ouverture, il était question aussi de nouveaux paradigmes, aussi entendu aujourd'hui, et ou de changements paradigmatiques, ce qui a suscité des réactions aussi variées que vives, et comme l'avait fait détail. Le diable. Les communications dureront entre 20 et 25 minutes. Après, nous prendrons une pause qui sera suivie d'un échange entre les conférenciers à la table. Ensuite, les questions viendront de vous. Nous les attendons avec impatience. Alors, maintenant, je vais vous présenter les conférenciers. Je vais le faire aussi brièvement que possible, mais en même temps, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Quelle forme de recherche dans les arts, quand les arts deviennent universitaires? Le professeur Van der Maren sera le premier à prendre la parole. Sa communication tentera de situer le domaine de la recherche en art dans ce qu'on peut appeler l'univers de la recherche. Il abordera le sujet de manière générale en situant la recherche-création parmi l'ensemble des domaines de recherche en montrant les types de questions que se posent les différents territoires de la recherche. Jean-Marie Van der Maren a été professeur titulaire du département d'administration et fondement de l'éducation à la faculté de l'éducation de l'Université de Montréal.
Son enseignement et ses recherches ont surtout porté sur les méthodes de recherche, dont l'analyse des données qualitatives et la pédagogie des formations professionnelles à l'université. Il a été président fondateur de l'Association de la recherche qualitative, ARQ. Il a dirigé le département d'administration et des fondements de l'éducation pour lequel il a conçu un doctorat professionnel en administration de l'éducation. Et il est l'auteur de méthodes de recherche pour l'éducation et de la recherche appliquée en pédagogie aux presses de l'Université de Montréal et de Beck. Deuxième intervention. L'ECFRASIS, un mode de recherche-création. Professeur agrégé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, Serge Cardinal est un chercheur reconnu en études cinématographiques. Il sera le deuxième à intervenir ce matin. Il est invité à le faire à titre de chercheur-créateur. D'entrée de jeu, il distingue entre recherche et recherche-création en précisant que la recherche porte sur un problème alors que la recherche-création porte sur une pratique. Il ajoute que la pratique a sa pensée, ses critères, ses méthodes et que les praticiens poursuivent et produisent du discours. Enfin, il reconnaît trois types de recherche possibles sur le territoire de la recherche-création et sa communication se situe là. Ses travaux de recherche-création, qui portent sur les dimensions sonores et musicales du cinéma et des arts médiatiques, ont pour objectif l'expérimentation pratique et l'étude poétique des figures rhétoriques ou narratives obtenues par l'entrelacement du sonore, musique, paroles, voix, son, bruit, et du visuel, images, cadrage, plan, scène, montage. Et deuxièmement, l'étude poétique et l'expérimentation, je suis sûre qu'elle fait exprès pour intervertir et, quand même, et l'expérimentation des pratiques des différentes formes de création sonore. Il porte une attention particulière à la singularité des outils et des méthodes, à l'originalité des savoirs entendre et des savoir-faire, et à la diversité de leurs rapports entre le son et l'image. Il mène également des recherches sur l'acteur de cinéma en tant que figure du possible. Dans ses travaux sur l'acteur, comme dans ceux sur le sonore et le musical, il reste particulièrement attentif et sensible au rapport du cinéma avec les autres disciplines artistiques, peinture, photographie, architecture, théâtre et musique, en recourant à la philosophie, entre autres celle de Gilles Deleuze ou de Stanley Cavell, pour parvenir à mieux poser les problèmes. Enfin, vers une délimitation de la recherche-création, c'est dans un dialogue que Sylvie Fortin et Pierre Gosselin aborderont la question de la spécificité de la recherche-création à partir du point de vue que leur confère leur statut de co-professeur ou de duo de professeur de méthodologie de la recherche au programme de doctorat en études et pratiques des arts de l'UQAM. En plus de chercher à délimiter le territoire de la recherche-création, ils veulent mettre en relief certains enjeux que pose l'émergence de la recherche-création, enjeux qui touchent aussi bien les étudiants qu'ils forment que l'orientation et le développement des départements et des programmes où ils enseignent. Je commence par toi, je vais être polie. Sylvie Fortin est professeure titulaire au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Ses champs d'enseignement et de recherche comprennent les approches critiques et socioculturelles du corps et de la danse, les représentations de la santé des artistes en art de la scène, l'éducation somatique et la formation des arts, et les méthodologies de recherche post-positivistes. Très impliquée en recherche, elle dirige au sein de L'invisible qui fait mal, une étude qui cible spécifiquement le milieu de la danse où les femmes sont en majorité. L'étude vise à mieux comprendre les points de vue des artistes sur les liens entre les impératifs esthétiques et santé, lesquels se vivent dans un contexte de travail animé par l'amour du métier.
L'objectif à long terme étant de développer des cadres de travail qui puissent soutenir adéquatement la santé des interprètes professionnels en danse contemporaine. Pierre Gosselin est professeur titulaire à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Ses travaux de recherche portent à la fois sur l'enseignement des arts et sur les méthodologies de recherche en art. Il a notamment travaillé au développement d'une didactique de l'enseignement des arts éclairée par la représentation de la dynamique de création. Il est à compléter l'articulation d'un référentiel pour le développement et l'évaluation de la compétence à créer en art visuel au collège et à l'université. Son implication dans les séminaires de méthodologie de la recherche en art l'amène depuis une quinzaine d'années à travailler au développement de modes méthodologiques pour la recherche en pratique artistique. Alors, quelles formes de recherche quand les arts deviennent universitaires, Monsieur Van der Maren? Bon. Alors, la délimitation du territoire, j'ai un problème que l'on va régler. Si je t'ai vu, je changerai votre code après. Oui, tout le monde l'a vu. On n'avait pas prévu ça dès le départ. Voilà, là ça va aller, ça partira plus. Voilà. Alors la délimitation du territoire de recherche-création dans le domaine des arts est une très belle question que votre domaine n'est pas le seul à se poser. Mais je la modifierai un peu. Étant donné que l'innovation est déjà une réponse, je la formulerai la recherche-création comme territoire de questionnement méthodologique. Si je m'autorise à parler devant vous, outre le fait que j'y ai été invité, c'est parce que le problème d'une recherche pratique associée ou au service des praticiens se pose aussi dans la discipline d'où je viens, la pédagogie, et dans d'autres disciplines comme le travail social et le paramédical, discipline que j'ai côtoyée à l'occasion de mon enseignement des méthodes de recherche portant sur des données qualitatives. En fait, ce problème de la recherche pratique, dans votre cas de la recherche création, ne se posait pas tant que le dualisme entre la pensée théorique et l'action se résolvait en distribuant le travail sur des personnages différents. D'un côté, ceux qui faisaient les choses, les artisans et les artistes, et de l'autre, ceux qui en parlaient, les savants, producteurs de discours discursifs. Ceux qui tenaient les discours théoriques régnaient dans les universités, où ils se reproduisaient en discourant. Ceux qui produisaient des biens matériels, culturels ou symboliques, se retrouvaient dans les grandes écoles, les écoles normales ou magistrales, les ateliers, les conservatoires, les académies, où la formation des nouvelles générations se faisait par la transmission de l'héritage culturel et éthique du métier et surtout par des pratiques guidées et corrigées. On y apprenait en faisant et en corrigeant ce que l'on avait fait jusqu'à ce que cela fût satisfaisant aux yeux du maître et du client. Notons immédiatement que si la formation se réalisait à partir d'un héritage culturel et d'une pratique en faisant les choses, cela ne veut pas dire que les artisans et les artistes ne pensaient pas, qu'ils ne réfléchissaient pas. Ce n'est pas parce que les savants philosophes et les théoriciens ne peuvent pas témoigner de leurs pensées que, en discourant, que les artisans, eux, ne pensent pas parce que surtout, ils font les choses et qu'ils en parlent moins ou plus difficilement. Piaget, il y a déjà très longtemps, a bien montré que l'action précède la pensée
que celle-ci est une action intériorisée et que c'est à partir de l'intériorisation en pensée de l'action que le discours peut se produire comme représentation autant diplomatique que théâtrale de l'activité. Il y a donc trois termes, action, pensée et parole. Et de ces trois, c'est l'action qui est primordiale. Mais il est vrai que les penseurs et les donneurs d'ordre, comme les rois et les curés, se sont toujours crus supérieurs aux acteurs, aux faiseurs, alors qu'ils en dépendent pour manger. Avec la modernité, et surtout avec le succès de l'application militaire des sciences expérimentales lors des deux guerres du XXe siècle, une nouvelle organisation des disciplines se met en place. Les techniques deviennent des technologies par un asservissement des règles de l'art et des traditions du métier aux connaissances savantes, et les grandes écoles sont intégrées aux universités. Les technologies, les ingénieries, se doivent d'être des applications rigoureusement fondées sur les connaissances théoriques issues des sciences expérimentales. Les métiers de pratique sociale et culturelle se font aussi coloniser par les nouvelles disciplines des sciences sociales et humaines qui avaient émergé de la philosophie à la fin du XIXe siècle. Ces disciplines sociales avaient été séduites par le modèle des sciences quantitatives et expérimentales, pensant acquérir une honorabilité universitaire en se drapant dans une neutralité objective, parce que scientifique, leur permettant d'échapper aux reproches qui leur étaient faits d'un penchant un peu trop idéologique. Dans le dernier quart du XXe siècle, l'universitarisation à l'ensemble des formations aux métiers de pratique sociale et culturelle, qui devinrent du coup non plus des métiers, mais des professions, conduit à la constitution de trois blocs de disciplines aux statuts et aux exigences différentes quant à leurs modalités de transmission et de production en recherche. Le problème qui nous occupe et qui nous occupera sans doute pendant longtemps est celui évidemment du troisième bloc des disciplines, celui des arts et des artisanats. Pour poursuivre, je vais prendre le cas d'une discipline que je connais bien, les sciences de l'éducation, et une autre université que celle qui nous accueille aujourd'hui. Cela vous permettra de faire ou de ne pas faire les parallélismes qui vous conviendraient et de ne pas vous offusquer des idioties que je pourrais proférer en parlant des arts. Quelles que soient les origines selon les pays, une situation similaire prévaut lorsque la formation des praticiens est confié aux sciences de l'éducation. Afin de se voir accorder un statut au moins comparable aux autres facultés installées sur les campus, l'universitarisation eut pour effet le recrutement de docteurs et sciences, PhD au Québec, qui, comme la discipline venait d'être créée, ils n'existaient pas en éducation, ils furent donc importés massivement d'ailleurs. D'ailleurs d'autres disciplines, mais aussi d'ailleurs, entre autres, d'Europe, comme moi. Ce furent, comme l'a montré la thèse de Mathurin Kreutzer, des importations majoritairement venant de psychologie, une part de sociologie, quelques philosophes et des spécialistes des matières enseignées au secondaire, à condition qu'ils soient labellisés PhD. Les praticiens et les anciens enseignants des écoles normales, transformés en départements, qui ne purent se faire labelliser, furent cantonnés aux cours de service et à l'encadrement des stages. De plus, avec l'universitarisation, un mandat de recherche leur fut imposé. Mais quelle recherche ? Comme la discipline éducation n'existait pas en soi, les acteurs de cette nouvelle discipline, labellisés dans leur discipline d'origine, maintenant désignés comme discipline ressources ou contributive à l'éducation, ont évidemment, et tout à fait normalement, on ne peut pas le reprocher, mis en place des recherches utilisant les concepts et les méthodologies qu'ils connaissaient, en les appliquant à des problèmes qu'ils pouvaient observer sur le terrain de l'éducation, mais à partir de leur point de vue disciplinaire. On ne peut reconnaître que ce que l'on connaît déjà, on ne peut voir au loin
qu'à travers les lunettes que l'on a. Les exigences de promotion poussant à la recherche, on va observer rapidement que la plupart des professeurs mettent en place des programmes de recherche qui se réalisent sur des problèmes d'éducation, mais avec des problématisations plus psychologiques ou sociologiques que pédagogiques, c'est-à-dire plus fondamentales, à visée théorisante et généralisante, que les pratiques à visée plus locales et plus contextuelles. Il s'ensuit évidemment un écart, enfin évidemment c'est moi qui le dis, tout le monde ne le dit pas, il s'ensuit évidemment un écart, un hiatus entre la recherche et les discours qu'elle produit, d'une part, et la pratique avec ses exigences concrètes d'action efficace et responsable. Cela produit un commentaire à deux volets qui s'entend avec une résurgence régulière depuis bientôt 30 ans. D'une part, les étudiants disent que, en fin de compte, c'est quand on va en stage qu'on apprend le métier et que plus d'un discours ne sert à peu près à rien. D'autre part, les professeurs-chercheurs, autant que les organismes comme le Conseil supérieur de l'éducation, se plaignent amèrement du fait que les praticiens n'utilisent que bien trop peu les résultats de la recherche. Du point de vue épistémologique, en m'inspirant des écrits de Bourdieu, d'Aignaud, d'Elbos et Eschwing, je constate qu'à l'heure actuelle, deux axes tentent les recherches des différentes disciplines universitaires et l'expression des savoirs qu'elles produisent. Il y a l'axe vertical, qui part du local et de l'éphémère, subjectif et particulier, pour aller vers l'intemporel et l'universel, qui sont généraux et objectifs. Il y a l'axe horizontal, qui part de la fabrication, impliquant le corps et l'action, pour se rendre à la théorisation par la pensée et la parole. Ces deux axes délimitent quatre cadrans, privilégiant certains types d'acteurs, avec leurs objets, leurs enjeux, leurs modes de pensée et leurs critères d'évaluation. En bas à gauche, les artisans et les artistes engagés dans des productions pragmatiques pensent avec ruse et prudence ou imprudence, prudence plus du côté de l'artisanat, imprudence plutôt du côté de l'artiste, et qui valorisent l'efficience, l'éthique et l'esthétique. À l'opposé, en haut à droite, les scientistes et les prophètes, pour ne pas dire les curés, portent une pensée unique dans une perspective dogmatique s'appuyant sur des déductions vraisemblables. Alors qu'ils se distinguent en bas à droite des philosophes et des humanistes qui se commodent de pensées divergentes et qui visent dans une perspective scolastique, c'est-à-dire de couper les cheveux en quatre, la signifiance de leur discours construit sur l'induction. Alors qu'en haut à gauche, les techniciens et les technocrates fabriquent des outils et des instruments efficaces dans les quatre types qu'ils affrontent dans la perspective d'une maîtrise technique des solutions. Ces deux axes distribuent aussi des visées et des modalités de recherche. En haut à droite, la visée nomothétique se réalise dans les recherches fondamentales, expérimentales et dans des recherches théoriques. Alors qu'en haut à gauche, la visée technologique se matérialise dans les recherches appliquant les connaissances issues de la recherche nomothétique et des recherches de développement qui imaginent la solution des problèmes en les confrontant aux résultats de recherche nomothétique. En bas à droite, les recherches à visée catanoéthique s'appuient sur des travaux spéculatifs et, depuis une vingtaine d'années, collaboratifs pour proposer des compréhensions du présent à partir du passé. Alors qu'à gauche, ce sont les acteurs sociaux et culturels qui cherchent et se cherchent entre eux pour entreprendre des actions et des formations transformatrices du social dans une perspective pragmatique. Enfin, ces quatre cadrans et les visées de recherche se superposent aux disciplines et aux acteurs, montrant les possibilités de tension que l'on peut rencontrer, que l'on va rencontrer, dans deux situations assez répandues. Une première source de tension tient souvent au fait que les destinataires
étudiants en formation initiale, commanditaires de recherche, utilisateurs privilégiés des travaux, donc les utilisateurs, les différents utilisateurs, les missions et les enjeux restent souvent peu identifiés et ambigus. On veut satisfaire tout le monde et son père. Ce qui va conduire à pouvoir se retrouver assis non pas entre deux chaises, mais entre quatre chaises. La deuxième source de tension vient aussi du souci d'acquérir un statut différent, plus rémunérateur, monétairement ou symboliquement, que celui accordé au statut du cadran dans lequel on se trouve à la suite de l'opportunité d'un engagement à un poste académique. Ou bien parce que le label obtenu dans une discipline dont le statut est jugé supérieur à celui qu'on occupe est plus intéressant et qu'on veut y accéder. C'est une situation qui est très, très courante en éducation, à la fois l'ambiguïté de l'identification des clients ou des bénéficiaires de la recherche, et de l'autre côté, cette situation où quelqu'un venant d'une discipline à un statut relativement supérieur est engagé dans une discipline à statut inférieur, l'éducation, sciences infirmières, travail social, mais venant de sociologie ou de psychologie, veut absolument faire de la recherche comme il pourrait la faire s'il était dans la discipline à statut supérieur. Il est donc important de situer la recherche en fonction des acteurs visés, des fonctions et des finalités qui la sous-tendent. Cela d'autant plus que les questions et les exigences paradigmatiques associées au domaine sont différentes et qu'une méprise sur le champ paradigmatique entraîne une disqualification de la part des collègues évaluateurs, des destinataires commanditaires ou des deux. Rappelons, en nous appuyant sur, entre autres, de Brun, Herman et de Scottet, que l'épistémologie définit un paradigme, qu'il soit de recherche ou professionnel, comme la réponse partagée par un groupe d'acteurs à la question de chacun des pôles ontologiques, sémantiques, technologiques, rhétoriques et d'effectivité. De ce point de vue, j'ai ici regroupé sous un même domaine épistémique les disciplines nomothétiques, celles qui visent la causalité, ou catanoétiques, celles qui visent le sens. Par ailleurs, étant donné les lieux de ce colloque, il me semble opportun pour fin de discussion de courir un risque, celui de distinguer les disciplines pratiques, formatives et artisanales, et les disciplines artistiques. J'ai mis toute une série de points d'interrogation à côté d'artistique. C'est là-dessus que vous pourrez tomber dessus plus tard. Lorsqu'on examine quelles sont les questions qui se posent pour chacun des cinq pôles aux quatre domaines, épistémique, technique, pratique et artistique, il semble évident que les recherches ne peuvent pas vouloir se situer dans un domaine tout en répondant aux questions d'un autre. Une des tendances évidemment habituelles, c'est de vouloir traiter, quand on se trouve dans la pratique, les questions en s'inspirant des disciplines épistémiques. Or, c'est tout à fait différent au plan ontologique. Par exemple, du côté des disciplines pratiques, ce qui est dominant, c'est l'éthique. De quelle valeur, de quelle responsabilité témoigner, qui organise et rend légitime l'action. Ce qui est tout à fait différent de la question des recherches épistémiques, quelle est la réponse admissible aux questions des rapports entre l'hypothèse et la réalité. Ces deux univers tout à fait différents. Et il en va de même pour le reste, j'ai mis en gras un certain nombre de thématiques. Du côté de la sémantique pour les épistémiques, c'est une théorétique. Du côté des technologies, c'est l'opérativité. Est-ce que les instructions sont claires, simples, faciles, précises, complètes pour assurer le succès? Alors que de l'autre côté, du côté des pratiques, c'est plus esthétique. De quelle manière d'agir, quelles règles de la respecter pour que l'action soit reconnue comme professionnelle. Vous voyez, il y a des réponses qui sont vraiment différentes à des questions différentes qu'il va falloir donner. Et donc, il faut bien distinguer ce que l'on veut faire. Et il y a plus, parce que ce n'est pas seulement le chercheur
qui donne la réponse qui va compter dans cette réponse aux questions paradigmatiques, c'est la société, le public d'une culture donnée, qui valide les réponses et qui les accepte. Comme je disais tantôt, ce sont les étudiants qui refusent, d'une certaine façon, les cours théoriques qui ne rapportent rien à la pratique et qui préfèrent, du coup, aller en stage. Donc, si un chercheur créateur veut que son travail soit estimé, il devra fournir des réponses, non seulement dans les limites communément partagées et acceptables par son groupe de chercheurs créateurs, mais aussi dans les limites tolérées et attendues par le public visé. Cela étant, on peut concevoir qu'une faculté des arts puisse s'adresser à des publics différents et doivent dès lors soutenir des recherches de type différent. Par exemple, des travaux épistémiques pour répondre aux demandes de formation de spécialistes en histoire de l'art ou de journalistes critiques en art, qui n'en feront jamais rien, sauf qu'ils vivront aux dépens des artistes, des recherches de type technique pour des concepteurs de salles de spectacle et des recherches pratiques pour des artisans du spectacle. L'important est de bien identifier à qui l'on s'adresse, ce qu'on leur propose et de ne pas faire de fausses représentations. Enfin, pour terminer, en revenant au cadre des personnels de l'éducation, la nécessité de mettre au point et de promouvoir des recherches produites par, pour et entre enseignants a conduit à proposer un modèle de recherche de démarche pratique qui est inspiré en fait des méthodes développées par Yves Culot au CNAM à Paris en analyse du travail, parce qu'on peut considérer que le travail d'un artisan ou d'un artiste est un travail qui peut s'analyser comme n'importe quel travail. Alors, dans cette démarche de recherche pratique, la première étape essentielle, c'est le respect d'une condition. Il faut réunir un groupe de praticiens, 5 à 10 habituellement, engagés dans la même activité. Et la deuxième condition, c'est évidemment un professeur qui adopte le postulat, comme les étudiants, les buts et les modalités de la recherche. Le postulat est important, mais il est peut-être essentiel. La pensée pratique procède par images et scénarios flash, fugaces. Ochanin disait des images opératives. Ces images et sensoriaux flash sensorialisent, et pas seulement visualisent, comme on le fait pour l'entraînement des sportifs. Donc sensorialisent le rappel d'un couplage situation-action, type, qui était antérieurement efficient et qui, quasi en même temps, en montre les ajustements nécessaires à la situation présente. Cette pensée pratique, flash dans l'action, ne se dit pas facilement et nécessite un processus de récupération dans la mesure où elle est préconsciente et surtout où elle s'efface dans la réalisation de l'action. Car c'est l'action réalisée qui prime sur l'action imaginée et la dissout en la réalisant. C'est un peu comme la trace du rêve qui disparaît une fois que le rêveur, s'étant réveillé, se met à bouger. Pour en garder la trace, il ne faut pas bouger avant de se le rappeler. Les buts. Identifier le processus de réalisation de l'action, les règles de l'art du genre, les variantes d'un style personnel d'agir. Mettre à jour les ressources exploitées et les manières de les intégrer, de les asservir au cours de l'action. Les modalités générales, un travail personnel et collectif et en collectif, devant et avec les autres, de couplage, d'action-situation critique, pas d'action-situation banale, mais critique, là où on risque sa peau, afin de récupérer le discours entre l'activité et ses moments, ses épisodes, pour en élaborer une production qui parvienne à en expliciter et en présenter l'architecture. Les modalités, allons tout de suite à la démarche. Le déroulement consiste d'abord à identifier des situations critiques en leur mode de présentation au collectif et la construction des traces. Ensuite, on va procéder avec le directeur de recherche en situation comparse à une autoconfrontation, confrontation de l'enregistrement de l'action et de son commentaire, afin d'obtenir un scénario finement et très précisément découpé
on va dire granularisée, par une technique inspirée de l'instruction SOSI. On dit « raconte-moi de la manière la plus précise, la plus détaillée possible, comment tu as fait ce que tu as fait, de telle sorte que je puisse finement expliquer à celui qui va te remplacer ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. » Ensuite, il y a une reprise de l'enregistrement et de l'autoconfrontation de son analyse pour mettre à jour comment l'acteur a travaillé. C'est donc une analyse qui permet de reprendre le déroulement, les images opératives, les alternatives qui n'ont pas été retenues et les sources mobilisées. Ensuite, il y a une confrontation avec le collectif, ce qui est bien important. Présentation au collectif de la trace de la situation action analysée, en y insérant les analyses que l'on a faites personnellement, en les proposant à la discussion afin que tant la trace que l'analyse bénéficie un accroissement de granularité dans le récit et de récits alternatifs. Cinquièmement, on va construire personnellement un scénario iconoscénique, image et récit, d'explicitation qui reprend et instaure à la fois une cohérence et une mise en scène de la trame, de l'action en l'exemplifiant et dans un certain nombre de cas, tels que la plupart le recommandent maintenant pour les formations, en les dramatisant. Ensuite, il y a une confrontation, on retourne à une confrontation et une discussion avec le collectif pour corriger, pointer, grâce à des désaccords, quelles sont les limites, les nuances, les clarifications nécessaires et les interrogations résiduelles qui doivent accompagner la présentation finale. Pour finir, c'est la rédaction et l'exposition du rapport de recherche qui présente et non pas représente, sous la forme d'un récit iconoscénique, le cheminement de la recherche et sa production, c'est-à-dire le récit de l'action explicité avec les limites de cette explicitation et ce qui reste de non explicité et sans doute qui restera non explicitable. Les étapes 1 à 7 que je viens d'évoquer, j'ai eu l'occasion de les expérimenter avec un groupe de 7 jeunes directions d'école terminant leur maîtrise. L'enseignant et la direction d'une école pouvant, dans le meilleur des cas, être assimilables à des artistes de variété pédagogique, peut-être que cette proposition pourrait inspirer quelques-uns d'entre vous. Merci. Merci, M. Van der Maren. Merci pour ces outils de cheminement et de clarté. Je pensais en vous écoutant qu'il y a des choses que j'ai souvent prises pour de l'hostilité et qui sembleraient tout simplement se trouver dans un angle mort. On pourra en reparler. Alors, l'ekphrasis, un mode de recherche-création, Serge Cardinal. Merci Monique. Je voudrais partir d'une anecdote qui en partie va vous expliquer quelle position je voudrais adopter ici aujourd'hui et explorer avec vous, enfin, qui donnerait un peu le cadre de pensée qui sera le mien aujourd'hui. Alors, il y a de ça à peu près un mois ou deux, un collègue à moi, très très brillant, parmi les plus brillants qui m'entourent, que j'ai la chance de côtoyer chaque semaine, qui mène depuis plusieurs années des recherches fondamentales qu'on associerait à l'esthétique, à l'intermédialité, à l'histoire, les formes élargies du cinéma, du récit, etc., etc. Sans doute un peu épuisé de faire et refaire des demandes de subventions à un autre fonds que le FRQSC, me dit « Bon, je vais faire de la recherche-création. » Ça a l'air facile. On peut faire à peu près n'importe quoi. Et puis, c'est payant. Alors, évidemment, je n'ai pas envie ici d'expliquer pourquoi, encore une fois, il m'injectait un peu de tristesse et les raisons pour lesquelles il a toujours envie de faire ça quand il prend un café avec moi. Tout de suite, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut imaginer être la recherche-création pour désirer en faire de cette manière? Alors, ça m'a évidemment ramené à mes propres questions, mes propres doutes sur ce que c'est que j'essaie d'atteindre, que j'appelle la recherche-création.
Et du coup, ça m'a ramené de facto à ce colloque qui est le nôtre aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, et qui avait dans son titre le mot territoire, donc la recherche, création, territoire d'innovation méthodologique. Alors, pour un lecteur de Deleuze comme moi, le mot territoire est éminemment chargé. Et du coup, j'étais pris d'une deuxième crainte, après celle de me faire trichider par mon collègue, c'était celle de me dire, oh mon Dieu, un territoire, est-ce qu'on va s'en brancher, surtout qu'il y a le mot méthode à la fin du titre, est-ce qu'on va se lancer dans une fuite en avant qui serait une forme de reterritorialisation sur la ligne la plus dure de ce que pourrait être la recherche-création, ou bien alors, est-ce qu'on va être capable, comme le dirait Deleuze, de se brancher sur la ligne de fuite? Et donc, de définir à force de redéfinir sans jamais finalement arriver à une définition qui nous sédimenterait sur la ligne la plus dure. Donc. Et du coup, ça m'a ramené à ce colloque qu'on a souvent évoqué, qui a été organisé par Monique Régimbal et Denise Pérusse il y a de ça 2 ans, en me disant, je vais reprendre ce que j'avais déjà essayé de faire à ce moment, en essayant de pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire de faire fuir un peu ce que j'avais fait à l'époque. Et donc, du coup, j'ai eu envie de repartir, il faut bien partir de quelque part, j'ai eu envie de repartir de cette phrase du formulaire de la FRQSC, que vous connaissez tous, que vous avez lu et relu, cette extraordinaire phrase, qui essaie, en quelques mots, de définir ce que c'est, enfin d'indiquer dans quelle direction nous devrions fuir. Donc, une démarche de recherche-création repose sur une réflexion intrinsèque à l'élaboration ou à la réalisation d'une œuvre. Donc, il faut bien partir de quelque part, et je ne crois pas que, comme toute recherche, la recherche-création puisse se définir par elle-même et en elle-même. Donc, elle se définit dans un contexte social, politique, institutionnel, épistémique. Monsieur Van der Merem en a très bien expliqué ça à l'instant. Et donc, pourquoi ne pas partir de ça, non pas comme un mot d'ordre, mais comme une occasion de réfléchir. Donc, vous le savez, je vais me répéter ici un peu, j'en suis désolé, mais moi, c'est le genre de directive, on pourrait appeler ça comme ça, enfin d'indications, qui m'ont fait beaucoup réfléchir. C'est véritablement la clarté avec laquelle c'est écrit, c'est énoncé, qui me fait réfléchir et qui, du coup, me donne envie de transformer ça en question. Une fois dit qu'il y a de sous-entendu dans cette définition, l'idée que la recherche-création, ce serait quelque part entre l'autoréflexivité et l'autopoétique. Mais comme pour moi, ces deux gestes, l'autoréflexivité et l'autopoétique, éminemment modernistes en un certain sens, sont pour moi deux gestes inhérents à toute création. Comment je devais comprendre cette réflexion intrinsèque à l'élaboration ou à la réalisation de l'œuvre, de sorte que, tout à coup, comme l'aurait dit aussi Deleuze, une transformation incorporelle se produisent et que création devienne immédiatement recherche-création. Alors, j'ai été forcé de me reformuler ça sous forme, bien qu'un point d'interrogation n'apparaîtra pas, c'est quand même sous forme de question ou d'hypothèse, qui j'espère, donc cette formule, pour moi, agit, permet, rend peut-être possible, provoque cette transformation incorporelle. Alors, voici ce que moi je fais de cette directive ou indication. Donc, pour moi, une démarche de recherche-création repose sur une problématisation rendue possible par la singularité d'une pratique artistique, c'est-à-dire ses techniques, ses matériaux, son dispositif, sa tradition poétique, ses spéculations financières, etc., etc. Ou, pour le dire en des termes que je peux peut-être défendre, si je peux dire que mon processus de création ou l'œuvre créée sont immédiatement une recherche, c'est que faire un certain montage d'une voix, d'un son, d'un bruit, d'une parole, d'une musique, de mouvement dans l'espace sonore, etc., etc., c'est une façon singulière, je ne dis pas spécifique, je dis singulière, de poser un problème, quel qu'il soit. Et s'il reste dans cette démarche des gestes d'autoréflexivité et d'autopoétique, c'est qu'il faut quelquefois, c'est pas que ce sont en soi des modes de problématisation, mais il faut quelquefois refondre ses moyens pour rejoindre de nouvelles fins, c'est-à-dire il faut quelquefois briser ses outils pour mieux poser un problème. Partant de là, je suis donc forcé de vous dire que pour moi, le plus important dans l'expression recherche-création, et Monique l'a évoqué à l'instant, c'est évidemment le trait d'union, que, comme le disait Agamben, est le signe le plus dialectique
en orthographe. Sans doute entendait-il dialectique au sens de Benjamin quand il parle d'image dialectique. Alors, ce trait d'union, moi, je le traduis, donc vous excuserez mon pli de Leusien, mais je le traduis immédiatement par une autre formule, donc une formule de Leusienne que j'avais déjà évoquée il y a 2 ans, mais on va repartir de. On va essayer de la recreuser autrement cette fois-ci. Donc, une formule qu'on trouve dans ce très, très beau texte de Gilles Deleuze qui s'appelle, intitulé « Le cerveau, c'est l'écran », qui dit, donc, « La rencontre de deux disciplines ne se fait pas lorsque l'une se met à réfléchir sur l'autre, mais lorsque l'une s'aperçoit qu'elle doit résoudre, pour son compte et avec ses moyens propres, un problème semblable à celui qui se pose dans une autre. On peut concevoir que des problèmes semblables, à des moments différents, dans des occasions et des conditions différentes, secouent diverses sciences et la peinture et la musique, et la philosophie, et la littérature, et le cinéma. » Donc, du coup, partant de là, et me reformulant moi-même, me répétant moi-même cette formule de Deleuze, pour chercher ce que j'essaie de pratiquer comme la recherche-création, je tourne donc dans des degrés de différence, dire encore Deleuze, je tourne dans des degrés de différence, et je me dis tout à coup... Bon, si je me laisse attirer par cette formule deleuzienne, je me dis, bon, ben, la recherche-création, ça ne peut pas être vraiment la création comme objet pour la recherche. Alors, je ferai ce qu'un historien du cinéma fait, de toute façon, c'est-à-dire mettre à l'épreuve ses modèles historiographiques par une confrontation avec l'histoire propre des images. Je referai ce que déjà Georges Didier Huberman fait déjà trop bien. Donc là, je me sers du cinéma comme exemple. C'est un cas exemplaire au sens où il peut déplacer la théorie, mais ce n'est pas encore de la recherche-création. C'est un philosophe, un théoricien, un historien qui affronte un objet et déplace sa théorie. Ce n'est pas non plus pour moi, hein, j'entends toujours pour moi, je n'ai pas envie de vous convaincre ici aujourd'hui. Ça ne peut pas être la recherche comme objet pour la création, parce que là, on est presque dans la publicité, on est dans le transfert de connaissances, donc là, il faut que je dépose une demande à un autre programme, pas au programme de recherche-création, mais... programme de diffusion de la recherche. Et puis, venant du cinéma et m'en éloignant de plus en plus, je ne vois pas pourquoi j'y reviendrais par l'intermédiaire de la recherche-création. Alors, la recherche-création, ce ne serait pas non plus pour moi d'abord de la recherche et ensuite de la création, parce que là, je risquerais ce que je retrouve trop souvent au cinéma, c'est-à-dire une mise à plat de ce qu'on va faire et qui va programmer à l'avance ce qu'on va faire. Donc, avec tous les risques de la normativité, de la normativité. Alors là, je commence à approcher, si vous voulez, ce que je pourrais admettre pour mon propre compte comme de la recherche-création, ce serait de la recherche sur la création. Mais vous voyez, c'est pour moi le degré le plus bas. Donc, dans une échelle de valeur de vérité, hein, on serait déjà dans la recherche-création, mais là, on serait au degré le plus bas, ce serait la recherche sur la création, et là, ce serait donc tous les gestes que vous connaissez très bien de poétique et d'autopoétique. Et puis, il y aurait de la recherche avec la création, et donc ça, c'est tous nos courants interdisciplinaires qu'on connaît. Ça ressemble un peu à l'exemple que vous venez de donner, où la création fait partie d'un processus de recherche. Et puis, finalement, le troisième degré, celui que je cherche à atteindre, je ne dis pas que je le pratique constamment, tout le temps, mais c'est comme mon point de fuite, donc de la recherche-création. Et là, au sens où je viens de l'évoquer, ça veut dire problématiser avec les moyens propres d'un art. Et donc, je me suis donc redit souvent fois cette citation de Deleuze pour me convaincre que la création était en soi donc un mode de recherche ou une recherche-création. Et donc, pour me convaincre que la recherche-création peut et surtout doit entretenir un dialogue avec d'autres modes de recherche, que ce dialogue soit animé par le différent ou la mésentente. Donc, je reformule encore une fois, juste pour, parce que je n'arrive pas bien à comprendre ce que je cherche, là. Donc, si j'essaie de reformuler ça encore, ça donnerait quelque chose comme telle ou telle pratique de création, prenons l'art sonore, l'art radiophonique, par exemple. Donc, parce que cette pratique de création porte sur tel ou tel matériau, parce qu'elle rencontre tel ou tel phénomène, parce qu'elle éprouve telle ou telle difficulté, etc., etc., se trouve en position de formuler avec plus de force les éléments d'un problème. Donc, le problème, ça pourrait être l'articulation des mouvements que font un corps qui font d'un corps une unité spatio-temporelle vécue, ce qui pourrait être exploré par la danse tout aussi bien. Et donc,
cette pratique, parce qu'elle elle a tel matériau, elle rencontre tel phénomène, telle difficulté, est en position de formuler de manière plus forte les éléments de ce problème, ou si vous voulez, par le montage de gestes d'écoute, par l'amalgame de textures sonores, par l'entrelacement de motifs musicaux, par des chutes brutales d'intensité, par l'apparition et la disparition dispersée de figures sonores, le problème de l'appropriation subjective du corps apparaît dans une nouvelle complexité. Par conséquent, une autre pratique, et précisément une pratique du concept, la phénoménologie par exemple, peut se rappeler tout à coup que ce problème est aussi le sien ou a été le sien longtemps, bien que les matériaux sur lesquels elle travaille à l'heure d'aujourd'hui et les expériences de pensée qu'elle rencontre ou qu'elle se forge pour elle-même ne fassent plus ou ne fassent pas penser aussi distinctement ce problème. Parce qu'elle resterait, comme d'autres philosophies nous rappellerait Jean-Luc Nancy, elle reste une pensée trouvant ses métaphores dans le visible. Et là, tout à coup, une pratique du sonore la ramènerait ou la rappellerait à un problème qui l'a hanté. Donc, on pourrait dire qu'une création sonore ou une recherche-création sonore interfère avec la phénoménologie lorsqu'elle fait entendre un problème suivant la plus grande amplitude de ses fréquences et le faisant entendre ainsi, à coup de montage de gestes d'écoute, d'amalgame de textures sonores, lui donne une force de pénétration plus grande, capable d'atteindre la phénoménologie et de s'emparer de ses vibrations propres. Je le rappelle, ici pour Deleuze, le problème, c'est vraiment une onde de choc, une secousse, il dit. Et donc, c'est un problème partagé par la recherche-création et par la recherche phénoménologique. Ce n'est absolument pas une fondation théorique, c'est encore moins une méthode, c'est encore moins un cadre théorique, c'est simplement un mouvement qui entraîne leur fondation à chacune d'elles. Donc, c'est parce qu'une pratique de l'art sonore peut retenir et amplifier telle et telle fréquence d'un problème, des fréquences qu'une pratique théorique ou historique ou esthétique ne peut pas retenir, ou ne peut plus retenir, qu'il peut y avoir de véritables recherches-créations pour moi. C'est-à-dire quelque chose d'autre qu'une création documentée ou réfléchie ou réflexive. C'est-à-dire une production de connaissances. Des connaissances qui ne pouvaient ou qui ne peuvent s'obtenir qui ne pouvaient pas s'obtenir par les formes de la recherche scientifique, mais qui pourraient peut-être s'obtenir par les formes de la recherche ou les modes de la recherche-création. Et c'est parce que la recherche-création est une production singulière de connaissances qu'elle peut appartenir à l'université, sinon nous ne serons que des artistes qui gagnent bien leur vie. Voilà. Donc évidemment, tout ça est possible à condition que chaque pratique artistique tente de toutes ses forces vers des modes singuliers de problématisation, j'insiste sur le mot singulier, non pas spécifique, et l'ekphrasis est l'un de ces modes, ce qui nous rappellerait que la recherche-création est née comme programme il y a 12 ou 15 ans, si j'ai bien compris, mais elle se pratique peut-être depuis l'Antiquité. Donc évidemment, l'ekphrasis, c'est donc un de ces modes de la recherche-création, je me répète, mais qui n'est pas propre à la littérature, hein, les pratiques contemporaines de l'ekphrasis nous le rappellent bien. C'est un mode singulier de description qui peut retrouver un degré de différence près, qui peut se retrouver un degré de différence près dans d'autres pratiques artistiques que celles de la littérature. Voilà. Donc, je vous en donne quelques exemples pour qu'on ait sous les yeux et sous les oreilles quelque chose qui ressemble à de la recherche-création. Je sais que vous ne pourrez pas lire, c'est juste à titre indicatif. Donc, pour ceux qui d'entre vous ont connu la littérature du nouveau roman, je sais qu'il y en a, il y a quelques-uns d'entre vous qui l'ont même pratiqué, qui l'ont même étudié de près ici dans la salle. Donc, on peut dire de Michel Butard, dans son très, très beau petit livre « Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli », qu'il pratique une véritable recherche-création à partir d'une ekphrasis qu'il réinvente. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dialogue avec 33 variations? Peter Senzi, dans l'écoute, une histoire de nos oreilles, en a fait une description très très forte que je peux juste ici paraphraser. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est une machine littéraire qui est faite de chiffres et de mots, qui permet à Butard de naviguer dans un dédale musical, qui est celui des 33 variations de Beethoven, pour y insérer des commentaires, ce que Butard lui-même appelle des interventions et des gloses, et qui donc, au cours d'une performance, d'ailleurs en 1970 avec une interprète, il profite des silences ou des pauses qui articulent les variations, pour laisser affluer ou précipiter les mots. Alors, ce qu'il fait, il le dit lui-même, il écarte les pages de la partition, il élargit démesurément les silences qui s'y trouvent, pour y loger un texte proliférant. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il branche une machine à lire et à écouter sur la machine des 33 variations de Beethoven.
Donc, dialoguer avec 33 variations, qu'est-ce que ça veut dire avec? Ça signifie donc intercaler un texte entre les variations. Lequel texte est un ensemble de moyens structurels, verbaux, descriptifs, métaphoriques, une véritable machine optique à prospecter l'œuvre pour en révéler les richesses innommées. Donc, c'est une forme d'ekphrasis, si vous voulez, qui poursuit et prolonge la figure antique et qui consiste essentiellement pour Butor à nommer. Geste littéraire éminent. Donc, qui consiste essentiellement à nommer. D'abord, nommer les variations pour les fixer dans l'esprit du lecteur-auditeur. Nomination qu'il révise sans cesse, donc qui soumet elle-même à la variation, comme une sorte de description cristalline qui reconfigurerait son objet à mesure qu'elle cherche à le retracer. Ensuite, nommer et renommer. Ce qu'il fait, c'est qu'il nomme et renomme pour créer et recréer des ensembles ou des regroupements variés de ces variations. Donc, une forme d'interprétation littéraire de la musique, au sens où on dit qu'un interprète exécute une œuvre. Ce qui lui permet de rendre visible ou lisible ou audible, on ne sait plus quoi nommer cette chose, par figuration, des connexions qui pouvaient rester inaudibles à un auditeur. Puis, il s'agit aussi pour lui de mettre des mots sur ces variations pour en souligner les propriétés formelles, les techniques musicales, les relations intertextuelles, laissant entre autres d'autres écrivains prendre la parole sur ces variations, même si ces écrivains n'ont jamais pu entendre ces variations. Donc, on va citer Rabelais, Shakespeare, Nerval, Chateaubriand, etc. Et qui sont en train de décrire complètement autre chose que les 33 variations, mais qui vont participer par le fragment de leur texte à la variation des variations. Et enfin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, par nomination, donc, révéler les citations implicites dans l'œuvre de Beethoven, au sens où il va créer littéralement l'effet citation, parce qu'au sens strict musical, une citation, c'est jamais littéralement marqué ou typographié, il n'y a pas de guillemets en musique, et c'est juste quand on peut nommer la citation que vraiment elle apparaît pleinement. Donc, si vous voulez, Butor, il fait de la recherche-création à partir d'une machine littéraire, elle-même proliférante, au sens où sa nomination, il en fait un usage révélateur, au sens photographique du terme, on peut dire. Et si révéler, ça veut dire deux choses, rendre sensible par la nomination, faire entendre des dimensions musicales par la seule force de la description ou de la métaphore, et puis ça veut dire aussi transformer, diviser, démultiplier l'œuvre, lui donner de l'expansion, la faire sortir d'elle-même en détaillant ses flux, la faire proliférer dans tous les sens, sémantique, graphique, optique, allégorique, littéral, littéraire. Et, ou si vous voulez, ce qui advient à la description-reproduction finit par advenir au décrit reproduit. Et donc, si vous voulez, il fait une forme d'écoute ekphrasistique en un sens performatif, aux deux sens du mot performatif. C'est une véritable performance en concert, mais aussi une performance littéraire. Et c'est un acte de langage qui fait, défait, refait la musique en la décrivant. En ce sens-là, ça ressemble beaucoup à la pratique mimétique que défendait Adorno. Il y a une sorte de connivence entre les deux ici. C'est comme si Butor faisait réentendre une ambition déclarée d'Adorno, qui était celle d'étendre une sensibilité musicale de praticien, c'est-à-dire la pratique concrète de mise en corps de la musique pour fin d'interprétation ou d'analyse, donc d'étendre cette pratique concrète de mise en corps de la musique aux autres arts, à la littérature, à la peinture, au cinéma. C'est ce que Adorno appelait une épellation mimétique. Et donc, c'est essayer de porter l'expérience esthétique elle-même au rang de compréhension. C'est faire de l'expérience esthétique une forme de compréhension, évidemment, toujours ajournée, toujours déréglée. Parce que ici, autant chez Adorno que chez Butor, il s'agit de se rendre semblable à l'œuvre elle-même, c'est-à-dire précisément à ce qui est autre que soi, ce qui fend notre savoir et dérègle nos procédures, nos méthodes. C'est se rendre sensible donc, ou semblable au non-familier. Il s'agit, comme dit Adorno, d'imiter les courbes dynamiques de ce qui est présenté et qui, chez Beethoven, est une présentation paradoxale, si bien que le processus de compréhension ne pourra jamais complètement s'accomplir. C'est pour ça que, par exemple, Adorno va dire « on mime la physionomie de l'œuvre plutôt que d'en découvrir le secret ». Et donc, il s'agit, par une description ekphrasistique, disons, de parcourir la matière, de manière immanente, le matériau, de réeffectuer les courbes dynamiques du présenté, de sorte à mettre à jour la non-coïncidence de l'œuvre avec elle-même. Il s'agit, au fond, de se rendre semblable à l'indéfinissable, de s'identifier à une tension qui,
dans l'œuvre ajourne la compréhension. Donc, chez Butor comme chez Adorno, on trouve cette forme de description que moi je considère de la recherche-création, une sorte de pratique mimétique, une mimésis entendue comme expérience sismographique d'un supplément inassimilable dans l'ordre de la représentation et surtout pas dans les représentations que sont le savoir ou les savoirs constitués, rationnels. Donc cette description de l'œuvre d'art nous apprend quelque chose, peut-être, je crois, des fantasmes qui hantent la recherche-création et sur les leurs et les dangers qui caractérisent cette pratique. Donc, ces fantasmes-là, ça dit quelque chose comme la pratique artistique aurait sa logique propre, qui mimerait, si vous voulez, le jugement réfléchissant, comme dit Kant de l'œuvre d'art. Ce serait une pratique artistique qui serait plus précisément pour Adorno, et peut-être même pour Butor, la mémoire de cette logique oubliée, bafouée et refoulée par la raison théorique et pratique. C'est cette logique que l'ekphrasis ou la description mimétique prendrait au sérieux, avec pour but de démontrer les insuffisances de la rationalité théorique et pratique. Donc, au fond, la recherche-création, elle vient après une forme de recherche qu'on pense essouffler. On va dire ça comme ça. Donc, dans le cas de Butor, ce serait cette forme de recherche rationnelle et rationalisée, ce serait la musicologie associée à l'idée de musique absolue, ce que Madame appellerait prépositiviste, si j'ai bien compris. Ouais. Et si donc cette forme-là tend toujours vers la connaissance, c'est une connaissance en tant qu'un penser autrement. Donc c'est une mise en crise de la lecture, du regard et de l'écoute chez Butor, une réflexion sur les formes pathogènes de la raison musicologique, par une description qui n'est pas qu'animation textuelle des signes picturaux ou musicaux, comme l'était comme on peut la penser l'ekphrasis en un sens étroit, qui n'est pas qu'énonciation de sensations, qui n'est pas qu'interprétation mise en récit, mais qui est aussi et surtout à partir de là, ou grâce à cela, exposition-présentation de ce qui, dans l'œuvre, n'est pas encore œuvre, n'est pas pleinement œuvre. C'est exposition et présentation de ce qui reste en formation dans les 33 variations. Il s'agit de faire naître la figure de sa défiguration par la description. Il s'agit de rejouer la force formatrice ou de décrire la forme à la ligne d'inséparabilité entre l'actuel et le virtuel. Du coup, l'écriture remodèle l'image en débordant ses limites, de l'image par la description. Et donc là, ça pourrait nous mener à une forme de nouvelle de ce qui est qui est au cœur de la musique, et j'allais même dire de la musicologie, c'est au fond la transcription et l'arrangement. On peut dire, il y a une sorte de personnage ou une figure esthétique, dirait Deleuze, ou un personnage conceptuel, c'est celui du DJ. Je pense que le DJ hante la recherche-création. Oui, le DJ me dit il faut que je coupe. Il me reste 2 minutes. Bon. Donc, j'aurais voulu vous parler plus longuement de ça, mais je vais peut-être m'arrêter là. Au fond, j'aurais voulu vous faire entendre le travail de Chantal Dumas, par exemple, qui, dans une œuvre qui s'appelle Danse, une œuvre de 50 minutes, fait une transcription sonore d'une chorégraphie. Donc, spectacle dansé. Je vous en montre juste les étapes intermédiaires. Par exemple, ici, elle a filmé un spectacle de danse qu'elle a. Je pense que des gens ici dans la salle connaissent ce travail. Je crois que ça s'est fait aussi un peu en collaboration avec des gens de l'UQAM, c'est vraiment très bon. Donc, elle a filmé une chorégraphie. Elle a ensuite transcrit, elle a figé certains moments vidéographiques de cette chorégraphie qu'elle a transcrit à la main pour faire des partitions qui lui ont servi ensuite à faire une œuvre sonore qui fait entendre, par composition de texture, en fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, fait entendre un corps qui se cherche. Et elle problématise vraiment une question qui a hanté la phénoménologie, où est l'unité du corps, où est l'unité subjective du corps, etc., etc., mais par des moyens propres du sonore. Si vous voulez, je vous en fais entendre juste un extrait d'une minute ou deux, mais ça... Enfin, non, vaut mieux pas faire ça, parce que ce serait injuste à l'égard de Chantal et de son travail. Voilà, exactement. Donc, voilà, ce serait ma contribution d'aujourd'hui. Merci. Un très grand merci, Serge Cardinal, pour cette
implacable réponse à votre collègue qui vous accusait de céder à l'appel de la facilité. J'en reviens à votre anecdote d'entrée. Et je suis convaincue qu'il y a dans la salle et même à la table plein de gens qui seraient prêts à fuir avec vous. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas qui de Pierre ou de Sylvie prendra d'abord la parole. Je vous ai parlé d'un dialogue. On leur offrira maintenant la possibilité de 33 variations. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. C'est comme vous voudrez. Alors... Et s'il y avait quelque temps pour Chantal après, ce serait vraiment dans l'autre volet de... Hein, on ne sait jamais. Merci. Alors, bonjour. À l'UQAM, le concept de recherche-création a été propulsé par l'ouverture des programmes de cycle supérieur en art. Notamment en 1997, la Faculté des arts inaugurait son programme de doctorat en études et pratiques des arts. Mais préalablement, depuis 1976, l'École des arts visuels et médiatiques offrait un programme de maîtrise. En 1985, l'École supérieure de théâtre ouvrait le sien. Et puis en 1993, le département de danse et enfin en 2011, le département de design. Depuis plusieurs années, Pierre Gosselin et moi dispensons des séminaires de méthodologie de recherche dans le cadre de ce programme. Quelques informations contextuelles s'imposent pour les membres non ucaniens de l'auditoire. Les séminaires de méthodologie ont une durée totale de 45 heures au deuxième cycle. De son côté, le doctorat en études et pratiques des arts présente deux séminaires de 45 heures. Ce dernier programme est transdisciplinaire et accueille des étudiants en danse, théâtre, de l'art, musique, design, littérature, art visuel et médiatique. L'importance que les concepteurs de ce programme d'études supérieures ont accordé à la méthodologie de recherche est d'ailleurs reliée à ce fait. Au troisième cycle, les séminaires sont donnés par deux professeurs. Nous y faisons régulièrement équipe, Pierre Gosselin et moi, pour l'encadrement du deuxième séminaire de méthodologie. C'est en nous référant principalement à ce séminaire et à nos expériences d'accompagnement individuel d'étudiants de deuxième et troisième cycle que nous abordons la question de la recherche-création en milieu universitaire dans le cadre de cette table ronde. Voilà donc le lieu d'où nous parlons. Notre présentation prendra la forme de deux grandes questions pour mettre en lumière des matières à réflexion qui seront par la suite discutées en plénière. Dans ces jeux, nous insistons sur le caractère provisoire, évolutif, transitionnel de notre réflexion, car la pratique de la recherche-création devance présentement sa théorisation. Notre première question est justement, qu'est-ce que la recherche-création? Eh bien, Sylvie, il est difficile de poser une définition de la recherche-création parce qu'actuellement, en raison de sa relative nouveauté, l'expression est utilisée dans plusieurs contextes où elle prend parfois des sens très différents. Nous cherchons néanmoins à délimiter le concept en considérant d'une part les pratiques qui se réclament de la recherche-création et d'autre part les définitions qu'en donnent les institutions et les organismes subventionnaires. Où se déroulent ces pratiques? Qui en sont les acteurs? Quels en sont les produits? Peut-on parler d'une appellation contrôlée? Existe-t-il déjà un ordre de chercheurs-créateurs dont on ne pourrait se réclamer spontanément? Si un tel ordre n'existe pas, certaines institutions comme les universités, par exemple, ou encore les fonds subventionnaires, de par leur définition de la recherche-création, ont tendance à en limiter les pourtours. Mais avant d'examiner leur définition, il nous importe de dire que pour nous, ce n'est pas tant dans les discours institutionnels que se définit d'abord la recherche-création, mais avant tout dans les pratiques des chercheurs-créateurs. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un organisme subventionnaire décide, par exemple, à un moment donné de créer une catégorie nommée recherche-création et pour laquelle il réserve une part de son enveloppe globale que tout à coup, une nouvelle réalité ou un nouveau phénomène existe. Ou encore, par exemple, qu'un nouveau paradigme de recherche vient de naître, comme Sylvie en parlera tout à l'heure.
Ceci dit, il importe néanmoins de considérer les définitions institutionnelles. L'examen comparé des définitions que donne le service de la recherche et de la création de l'UQAM, le Fonds de recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC, et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, permet de dégager des points de convergence. Pour les trois organismes, la recherche-création se définit comme une activité ou une démarche de recherche favorisant la création d'œuvres littéraires ou artistiques. Elle combine pratiques de création et pratiques de recherche, favorisant la production de connaissances, de savoir-faire et l'innovation. Elle contribue également à la formation d'étudiants. Elle s'exerce en milieu universitaire, souvent en équipe, de plus en plus interdisciplinaire, intégrant des étudiants. Elle diffuse à la fois ses résultats et l'œuvre aboutie. Nous avons là une belle définition de la recherche-création pour professeurs d'université. Mais la recherche-création ne semble pas l'apanage des professeurs d'université. Les pratiques de recherche et de création des étudiants que nous accompagnons dans le cadre de nos séminaires de méthodologie nous semblent tout autant participer de la recherche-création que celle des professeurs. Par ailleurs, d'autres types de pratiques ne se déroulant pas nécessairement en contexte universitaire nous semblent tout autant s'inscrire dans le mouvement de la recherche-création. Mais quelles sont ces pratiques qui se trouvent ainsi en résonance avec la recherche-création? Il y en a plusieurs. Sans chercher à toutes les identifier, nous en signalons quatre types pour en laisser voir la diversité et pour attirer l'attention sur le fait que, considéré à partir du terrain, la recherche-création dépasse les frontières suggérées par les définitions institutionnelles. En premier lieu, il y a la pratique des artistes qui, en plus d'engendrer des productions artistiques, engendre également des discours, des réflexions. Nous pensons par exemple ici aux pratiques de nos étudiants de maîtrise et de doctorat qui, en plus de générer des œuvres d'art, génèrent des mémoires et des thèses. On peut penser également aux pratiques d'artistes du milieu professionnel prenant la parole de différentes façons, publications, participation à des colloques, à des symposiums, à des tables rondes. En deuxième lieu, il y a les pratiques de théoriciens, pour qui la création artistique représente un lieu de réflexion. Pour plusieurs d'entre eux, la diffusion d'œuvres arrive au second plan, mais néanmoins, leur démarche conjugue à la fois pratique de recherche et pratique de création. Ces théoriciens proviennent de différents champs disciplinaires et leur recours à la création artistique sert des fins variées. On peut penser aux théoriciens du domaine de l'esthétique ou de l'histoire de l'art, mais également aux chercheurs en sciences humaines qui utilisent la création artistique comme processus de recherche et d'intervention. Sylvie Fortin en parlera d'ailleurs un peu plus tout à l'heure. Dans nos séminaires, nous observons que de plus en plus d'étudiants provenant de champs théoriques utilisent des moyens artistiques pour développer une partie de leur thèse. En troisième lieu, il y a la pratique d'artistes et d'ingénieurs qui sont concernés au premier chef par les nouvelles technologies. Chez les artistes et les ingénieurs liés à ce troisième type de recherche-création, le discours vise notamment à transmettre l'innovation technologique. Nous pensons ici à la thèse de Laurent Pilon, thèse qu'il a soutenue en 2010 et qui s'intitule « Masse obscure pour une certaine pensée de l'imprégnation résineuse ». Cette thèse propose une réflexion stimulée par la matière et par la technique permettant de la transformer. Enfin, en quatrième lieu, il y a la pratique d'artistes et de chercheurs en sciences, pour qui le terrain de la pratique artistique représente un lieu d'expérimentation ou d'application de concepts. On peut penser ici, par exemple, au bioart. Chez ces derniers, le théorique ou le discursif semble apparaître en amont du travail de création. Nous pensons notamment à la thèse de François-Joseph Lapointe, thèse qu'il a soutenue en 2012 et qui s'intitule « Le choréogénétique ou l'art de faire danser l'ADN », thèse où il propose de simuler le processus de composition chorégraphique en évacuant tout choix subjectif de la part du chorégraphe. De ces pratiques se dégagent des traits permettant de définir plus largement la recherche-création. La recherche-création conjugue deux types d'activités, activités de création et activités de recherche. Elle ne les juxtapose pas, elle les conjugue.
Et en ce sens, toutes les deux portent l'empreinte l'une de l'autre. Elle prend place dans différents milieux et non seulement à l'université. Elle engendre deux types de productions, des œuvres et des discours. Dans sa conjugaison de l'une avec l'autre, parfois la pratique artistique stimule la production discursive ou théorique, alors que parfois c'est le théorique qui stimule la production artistique. Par ailleurs, la recherche-création se pratique tout autant en solo qu'en équipe. Lorsqu'elle se fait en équipe, elle devient souvent interdisciplinaire, conjuguant l'expertise des créateurs du domaine des arts à celle de théoriciens provenant de différents champs disciplinaires, arts, philosophie, sciences humaines, sciences pures, sciences appliquées, médecine, nursing, etc. Cela nous amène à la question suivante. La recherche-création relève-t-elle d'un nouveau paradigme? Les paradigmes, rappelons-le, sont des cadres de référence qui homogénéisent plus ou moins la construction des savoirs avec une épistémologie, une ontologie et des méthodes partagées par des chercheurs d'une même communauté scientifique. Il existe plusieurs schématisations montrant une vue d'ensemble des paradigmes de recherche, et pour mieux comprendre la recherche-création, on peut chercher à la situer dans ces diverses schématisations, comme le fait notamment Jean-Marie Van Bernadette. Dans nos séminaires de méthodologie, Pierre Gosselin et moi présentons, entre autres, ce schéma qui comporte deux paradigmes bien établis, le paradigme quantitatif ou positiviste et le paradigme qualitatif ou post-positiviste. Ce dernier pouvant être divisé selon trois grandes postures de recherche interprétatives, critique et postmoderne, poststructuraliste, alignée sur des auteurs portant une tradition philosophique. Nous ne vous donnerons pas un cours de méthodologie 101, rassurez-vous, mais l'évocation de cette taxonomie nous permet d'enchaîner avec les propos de Monique Bruno et André Villeneuve, profs de méthodologie, qui en 2007, dans leur livre Traité de la recherche-création en art, soutenaient que si au départ, la recherche-création s'inscrivait dans une perspective d'adaptation au paradigme qualitatif, les chercheurs manifestent maintenant de plus en plus leur quête d'identification territoriale, voire de souveraineté intellectuelle. 5 ans plus tard, en 2012, lors d'un colloque de l'ACRAS, portant sur la recherche-création, Denise Pérus, du FRQSC, et Monique Régimbal, alors vice-doyenne à la recherche à la Faculté des arts de l'UQAM, qualifiait la recherche-création de nouveaux paradigmes, tout en spécifiant qu'il n'y avait pas de consensus dans les différents milieux quant à la manière de caractériser les activités que cette appellation désigne. Leur propos, sous-tend la présence d'un troisième paradigme. Dans un article paru l'automne dernier et intitulé « Le point de vue des chercheurs créateurs sur la méthodologie », Diane Laurier et Nathalie Lavoie, respectivement professeurs et étudiantes à l'UQAM, abondent dans le même sens après avoir examiné les thèses de recherche-création d'étudiants inscrits au cycle supérieur, les résumés de demandes de subvention des professeurs d'université et les rapports d'évaluation des programmes des organismes subventionnaires. Leur article porte principalement sur la perception que les chercheurs créateurs ont de la méthodologie. Elle conclut en disant, et je cite, que la méthodologie amène les chercheurs créateurs à concevoir la recherche-création comme un geste de tous les instants et un véritable paradigme. Présente dans le travail des chercheurs créateurs, elle précise que la méthodologie n'est toutefois pas expressément nommée, parce que le langage méthodologique traditionnel ne conviendrait pas à la recherche-création. Les chercheurs créateurs proposent donc de délaisser la terminologie usuelle sans pour autant en identifier une autre. Les travaux de Laurier et Lavoie affirment donc l'idée d'un paradigme de la recherche-création sans toutefois disposer d'un univers sémantique pour en parler de façon satisfaisante. Pierre Gosselin et moi percevons en effet chez nos étudiants et nos collègues artistes que quelque chose est en train de naître, mais que nous ne disposons pas encore des mots pour le circonscrire adéquatement. Ceci nous amène à penser que le fait de poser la recherche-création comme paradigme de recherche est certes une tactique stratégique et politique de constitution du champ universitaire et artistique,
mais qu'il est peut-être un peu prématuré d'affirmer qu'effectivement, elle constitue un paradigme de recherche distinct et en rupture des traditions de recherche existantes. L'étiquette « recherche-création » comme paradigme de recherche sera peut-être plus convaincante une fois que le temps aura permis à la pratique de la recherche-création de préciser son référentiel sémantique en termes d'ontologie, d'épistémologie et de méthodologie, la posant ainsi comme champ de connaissance en dialogue avec les autres paradigmes de recherche. Mais peut-être faut-il plutôt faire preuve de réserve avant d'intérioriser cette façon de percevoir la recherche. Autrement dit, comment penser un paradigme non seulement avec des termes différents, mais aussi sous un angle différent. Un angle qui permettrait néanmoins un dialogue avec les autres communautés de chercheurs. Car ce dialogue est important pour que les artistes puissent participer pleinement au discours sur le monde à partir de leur posture d'artiste, posant sur les objets et sur les phénomènes un regard sensible, ce qui n'exclut pas pour autant qu'il soit intelligible et partageable. Notre hésitation à positionner la recherche-création comme un paradigme distinct est aussi liée au fait que de plus en plus de chercheurs en sciences humaines se sont aventurés dans les dernières années dans des modes de recherche qui s'apparentent à ce qui se fait en recherche-création dans nos facultés d'art. La parenté est telle que les chercheurs créateurs se reconnaissent parfois dans cet élargissement du paradigme qualitatif. C'est ce qui amène Laurier et Lavoie à dire qu'une majorité d'artistes s'inspirent complètement ou en partie des approches qualitative en sciences humaines et sociales. Même si le paradigme qualitatif convient à de nombreux artistes, elle n'en revendique pas moins pour la recherche-création un statut de paradigme distinct. En fait, dans les années 80, plusieurs chercheurs en sciences humaines se sont mis à investiguer des modes alternatifs à ceux usuels de faire de la recherche dans le paradigme qualitatif, souvent en filiation avec la tradition de recherche postmoderne et poststructuraliste, ils soutenaient qu'une force politique de la pensée postmoderne poststructuraliste investie par la recherche était de proposer la liberté de sortir des cadres pour créer de nouvelles formes de savoir se manifestant par de nouvelles formes d'écriture. Ils ont poussé le parti pris de la subjectivité jusqu'à faire de l'écriture un lieu d'incorporation de connaissances sensibles autant que de savoir théorique, d'émotions autant que de comics. Ils ont fait la promotion de la polysémie, de la fiction et du pluralisme dans l'écriture des articles de recherche et des thèses doctorales. De plus, voyant que dans le monde de l'art, les artistes s'intéressaient souvent à des enjeux sociopolitiques similaires à leurs propres préoccupations et que par leurs œuvres, les artistes réussissaient à confronter le public à amener des changements de perception et à déstabiliser l'agir social, ces chercheurs en sciences humaines ont commencé à intégrer des processus et des formes artistiques à leurs travaux. Ils ont ainsi engendré une étonnante variété de recherches regroupées du côté anglo-saxon sous les vocables, souvent interchangeables, de « art-based research »,« art-informed research »,« art-led research ». Cette tendance est en plein essor. De nombreux ouvrages de référence ont été publiés, tels que ceux-ci, qui abordent la création artistique comme forme de recherche. Ces chercheurs ne sont pas dans des facultés d'art, mais ils travaillent avec l'art comme moyen de collecte de données, d'analyse et ou de diffusion des résultats de recherche. La croissance de ce type de recherche est remarquable. À titre d'exemple, dans un de mes domaines de recherche, la santé, Hazard et Saillard ont réalisé en 2011 un examen des écrits qui compare 30 études récentes qui s'affichent comme « art-based health research ». Parfois, leur façon de faire me semble correspondre tout à fait au troisième degré présenté par Serge Cardinal. Par exemple, Sylvie Frigon, criminologue de l'Université d'Ottawa, a publié, avec la chorégraphe Claire Jenny, le livre « Chair incarcérée, une exploration de la danse en prison ». Comme le titre de son livre l'indique, elle aborde la danse comme source de connaissances sur l'incarcération. La délimitation du territoire de la recherche-création doit donc tenir compte de ces pratiques qui utilisent l'art comme méthodologie de recherche.
En bref, la question de la recherche-création comme paradigme de recherche se pose vraiment. Mais elle doit inclure, à notre avis, toutes les façons émergentes de faire de la recherche qui font appel à l'art comme mode de connaissance. Ceci ne peut se faire précipitamment au risque de ne pas être inclusif de la diversité des approches toujours en développement dans nos facultés d'art et ailleurs. Dans notre tentative de délimitation du territoire de la recherche-création, il importe, comme le dit Anzio, de nous approcher de l'idée claire et distincte sans la séparer du territoire de sensations confuses d'où elle prend corps. Si un paradigme de recherche-création se constitue, peu en importe ses modalités, il devra pouvoir dialoguer avec les autres paradigmes existants à partir de la singularité de sa vision du monde. Alors, nous concluons. En guise de conclusion, on peut dire que, en plus de soulever la question de la délimitation de son territoire, et celle de l'émergence d'un nouveau paradigme, la recherche-création en soulève plusieurs autres. Elle soulève notamment des questions sur la place qu'elle prend actuellement en contexte universitaire. Est-elle en train de prendre toute la place? Pour plusieurs créateurs, la création artistique n'est aucunement en mal de reconnaissance et n'a pas à s'accoler le terme « recherche » pour justifier sa légitimité en milieu universitaire. L'artiste qui enseigne au cégep devient-il tout à coup chercheur créateur au moment de son embauche à l'université? L'embauche des nouveaux professeurs en création artistique soulève de nouveaux enjeux. Jusqu'à maintenant, les artistes du milieu professionnel, dont la pratique est reconnue comme novatrice, ont joué un rôle de premier plan dans nos départements universitaires. Quelle place maintenant est réservée aux chercheurs créateurs lors d'ouverture de postes? Seront-ils dorénavant privilégiés? Et si oui, ne nous privons-nous pas d'artistes qui, justement, du fait de leur extériorité, apportent un regard neuf sur nos façons de faire? Inversement, en donnant préséance aux artistes du milieu professionnel, ne discréditons-nous pas cette nouvelle mouture de chercheurs-créateurs dont nous contribuons à la formation? Les enjeux de la recherche-création ne sont pas que théoriques. Ils sont également politiques. Qui peut se réclamer du territoire? Quelle part du territoire la recherche-création revendique-t-elle? Merci. Un très grand merci, Sylvie et Pierre, de cet appel à la lucidité et à la prudence. Nous allons prendre une brève pause, une dizaine de minutes. Après, la table échangera. Donc, à partir de ce que nous avons entendu, que vous avez entendu, qu'ils connaissaient déjà. La discussion commencera, ça me facilite la tâche, je n'ai même pas besoin de lancer de questions, ils sont en possession des questions. Après quoi, la salle sera invitée à se joindre à l'échange et finalement, on prévoit terminer vers midi, par là. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'il est à peu près 11h moins 20. Alors voilà, on se retrouve dans 10 minutes. Il y a du café de l'autre côté, vous êtes invités à aller prendre un café. Très bon.
Je vais vous inviter tout doucement à reprendre place. Avant de commencer, je voudrais vous transmettre un message. Les intervenants du colloque et les organisateurs sont priés à la fin de cette séance-ci de bien vouloir se retrouver dans la salle à côté. Message qui vous vient de Louise Poisson. Alors, comme je disais, c'est formidable, je vais pouvoir me taire. Parce que toutes les questions ont été lancées et elles seront donc attrapées au bon par ceux-là même qui les ont lancées. C'est un match de squash à quatre. Il y a des murs tout le tour qui ont déjà été défoncés. Alors donc, on a vraiment parlé de production de connaissances. On a parlé d'une hypothèse ou d'une inquiétude paradigmatique. On a des outils de clarté qui nous ont été fournis. Et on est devant quelque chose qui semblerait être lancinant et qui est, faut-il définir ou éviter de définir la recherche-création? Et aussi une avancée qui est celle de la pratique, dans ce cas-ci, résolument, à devancer la théorisation. Et donc, il y a comme un rattrapage à faire. Y a-t-il aussi des inquiétudes d'instrumentalisation de l'art ou des pratiques de l'art par la théorie? Y a-t-il, bref, toutes ces questions restent en suspens et on va les laisser en pâture à nos collègues. Cela dit, certains d'entre eux ont exprimé le désir que vous sautiez dans la joute plus rapidement que dans des découpages, voici 15 minutes, voici 20 minutes. Alors donc, je suis à contre-jour. Si vous levez la main, agitez-la aussi, que je saisisse le petit mouvement. Et les gens peuvent s'avancer au micro pour poser les questions, très bien, puisque c'est enregistré et diffusé comme... Enfin, si vous ne voulez pas être enregistré et en diffusion, vous venez vous priver du droit de question. C'est comme ça. Voilà. Alors, voilà. Madame, messieurs, vous avez... Qu'est-ce qui va commencer, hein? Qu'est-ce qui va commencer? À entendre ce qui s'est dit, je me dis qu'on a présupposé que nous savions tous et que nous entendions sur ce que c'est que la recherche, d'abord. Alors, qu'est-ce que la recherche? Et pour reprendre la méthode que j'ai utilisée les dernières années, c'est quoi le métier de chercheur? Parce qu'il s'agit d'un métier, si on le définit, s'il est subventionné, s'il sert de critère, si... on peut l'examiner comme un job. Alors, c'est quoi faire ça et qu'est-ce que ça fait un chercheur? Du baratin? Du discours? Quel type de discours? Certains passent leur temps à discuter connaissance versus savoir.
au moment où on se trouve en période électorale, que valent les discours par rapport aux pratiques? C'est quoi la recherche? Attends, me regardez pas. Moi, je regarde la salle et je pense, y a-t-il un médecin dans la salle? Mais je rajoute plus là. Dans mon domaine, là, il n'y a pas tellement longtemps, déjeunant avec une collègue qui était aussi retraitée, on entendait parler, parce que j'en ai entendu parler tout récemment à Radio Cannes, où ils interrogeaient des gens sur le fait que l'éducation, les politiques n'en parlaient pas pour le moment, puis évidemment le thème de l'abandon scolaire. Et ma collègue me sortait, elle disait, une prof de méthode aussi, qui me disait, fou, on a dépensé des millions et des millions et des millions sur l'abandon scolaire et on n'a jamais réglé le problème. Dépenser des millions en recherche, entre guillemets, sur l'abandon scolaire et on n'a jamais réglé le problème. Alors, à quoi ça sert? Bah, je peux essayer de répondre à votre question. Là. Qu'est-ce que la recherche? Moi qui ai frôlé l'abandon. Et puis ça va me permettre peut-être de rebondir avec ce qui m'a beaucoup intéressé de votre présentation, c'est-à-dire de resituer le chercheur créateur dans le milieu universitaire. Donc très concrètement, pour moi, la recherche, ceux qui autour de moi, à mon département, disent exercer, pratiquer la recherche, par exemple des historiens du cinéma ou des historiens de l'art, ils produisent, par exemple, un historien du cinéma qui va s'intéresser au cinéma français d'après 1950 va faire au moins deux choses en même temps, ou trois choses en même temps. Il va déchausser les fondations du cinéma français pour y trouver des films qu'on a à tort écartés de l'histoire stylistique du cinéma français. Il va redécouper l'histoire stylistique et générique de ce cinéma. Il va rappeler qu'il y avait des femmes cinéastes qui aussi ont fait cette histoire. Et faisant ça, il va faire une dernière chose, c'est qu'il va sûrement mettre à mal les méthodes de l'historiographie. Et ayant fait ça, il est tout préparé à... donc là, il vient de redéfinir un champ de connaissances. Il vient de redéfinir un savoir sur le cinéma français. Il vient d'ajouter sa petite pierre, il a fait sa, comme on dit dans nos beaux formulaires, il a fait sa contribution à l'avancement des connaissances. Et de facto, il s'est préparé toute une série de matériaux pour aller en classe et transmettre donc ses propres savoirs. Alors du coup, il me pose de belles questions. Moi qui prétends ou qui cherche à faire de la recherche-création, à quoi ressemble ma production de connaissances? Alors, du coup, est-ce que c'est que mon savoir-faire d'artiste qui peut être ma contribution, en tout cas à l'enseignement du cinéma, de la pratique du cinéma? Très certainement, et à ce compte-là, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin à la fois de revendiquer le titre de chercheur-créateur, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de faire une demande de subvention dans un programme de recherche-création, puisque la pratique que je mène déjà à travers les films, les installations, les créations sonores que je fais, et qui peuvent être supportées financièrement par plein d'autres organismes que les deux organismes subventionnaires dans le champ du savoir universitaire, sont là pour m'aider à faire ça. Et ce que j'y apprendrai, comme ce que j'y désapprendrai en faisant cette pratique, me servira très certainement à enseigner à mes étudiants. Et donc là, je pourrais très bien être un artiste, revendiquer le statut d'artiste, parce que ça me permet des déductions d'impôts, et aussi enseigner en classe sans revendiquer donc ce statut de chercheur-créateur. À partir du moment où je revendique ce statut de chercheur-créateur, il faut que, comme historien du cinéma s'attachant au cinéma français, il faut que ma façon de faire de l'art produise des connaissances de telle manière que cette pratique même artistique soit remise en cause comme sa pratique d'historien l'était. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma façon de faire des films qui ne soit pas équivalente à ce que j'aurais pu faire sans être universitaire, sans être chercheur. Il faut que le cinéma, avec ou la création sonore, avec ses matériaux, ses moyens propres, comme je le disais tout à l'heure, tente de toutes ses forces à produire de la connaissance.
Après, on a le droit de questionner, puis j'espère qu'on questionne ce que ça veut dire produire ici, ce que ça veut dire connaissance ici, ce que ça veut dire savoir ici. Déjà, notre ami Jean-Pierre Vidal a foncé sur moi à l'instant pour me dire, tu sais, les diabellies, les variations de Beethoven, c'est la dissolution même de l'idée même de variation. La description expressistique qui a eu cours dans le nouveau roman, c'était la dissolution même de l'objet, si bien que c'est le savoir même qui se dissout. Excuse-moi de mal te paraphraser, Jean-Pierre, mais à peu près ça. Donc, l'idée même de savoir est mise en cause. Ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Quand on dit la pratique devance la théorie, là, j'aimerais bien que... Moi, ça me plaît beaucoup, cette idée, mais là, j'aimerais savoir ce qu'on entend par devancer. Si on veut dire par là, bonne nouvelle pour une théorie, un nouveau champ s'offre à elle, inexploré, qu'elle pourra, sur un plan sociologique, sur un plan historique, sur un plan poétique, etc., cataloguer, monter des typologies de la recherche création, ça c'est une chose, c'est une façon d'être devancé, c'est-à-dire on arrive sur un nouveau territoire encore inexploré, et mieux encore, ce territoire va bouturer de lui-même, si bien qu'il ne cesse pas de m'offrir de la nouveauté, ça c'est une chose, c'est une façon d'être devancé, mais être devancé, ça peut aussi dire... c'est la théorie elle-même qui doit repenser ce qu'est son geste théorique. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus producteur comme devancement. Donc, ça serait ma première façon de répondre à ce que c'est qu'être un chercheur créateur en milieu universitaire. Michel Dudor n'était pas en milieu universitaire. Je pas ces questions-là. Donc, je suis obligé de me dire, mais qu'est-ce que je fais qui ne devrait pas incommoder mon collègue historien du cinéma? La question posée par M. Van der Meeren, c'était de revenir à qu'est-ce que la recherche? Et dans ta réponse, il y a très bien décrit, assez ironiquement, la recherche telle qu'on l'entend et on l'attend. Cependant, je pense qu'en quelque part, si M. Van der Meeren pose la question, c'est qu'il y a eu l'émergence de la recherche-création et peut-être que la recherche-création fait son existence, fait en sorte qu'on doit se reposer la question, qu'est-ce que la recherche? Mais en même temps, quand je vous entends tous parler, je pense qu'il y a été aussi beaucoup question d'action et dans les réponses que Serge t'a avancées déjà, il s'agissait plus du chercheur créateur que de la recherche création. Et donc, d'une certaine façon, je me suis posé la question, est-ce que, plutôt que de se poser la question, qu'est-ce que la recherche, on pourrait se poser la question, qui est le chercheur? Qui cherche? Et donc, arriver au chercheur créateur. Puisque, en quelque part, il avait été question de devancement, c'est-à-dire qu'on est arrivé, il y a une action qui s'est développée avant que sa théorisation ne prenne naissance. Et qui est le chercheur et qui est le chercheur créateur? Je me regarde. Oui? Plus de facilité à répondre à la question où il est. Il est, avec tout ce qu'on a dit ce matin, il me semble qu'il est toujours sur un terrain pratique. Il me semble qu'il est toujours lié à la pratique, le chercheur-créateur. Et je pense que j'aurais plus de facilité à répondre à ça de cette façon-là. Il est sur ce terrain-là. Maintenant, une autre question qui m'est venue quand vous avez dit qu'est-ce que la recherche? C'est la suivante. Pourquoi on fait de la recherche? On se posait la question hier, en fait, pourquoi on fait de la recherche? Pourquoi on fait de la création? On fait de la recherche, entre autres, pour se relier aux autres, pour arriver à interagir avec les autres sur... Aide-moi, toi. Hier, on parlait de ça. Comprendre, changer, déstabiliser, mais aussi pour se relier. Se quoi? Se relier. Relier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recherche pour se relier? Quand on est praticien, est-ce qu'il n'y a pas des,
des collectifs plus ou moins situés qui permettent de nous confronter, d'échanger, de montrer ce qu'on fait plutôt que d'en discourir. Est-ce qu'il n'y a pas des occasions que nous pouvons avoir de confronter nos solutions par rapport à certaines difficultés, d'exhiber d'une certaine façon la manière dont on a torturé un certain nombre d'outils, de moyens, de situations pour arriver à proposer quelque chose qui exprime mieux que ce qu'on faisait avant, ce que l'on veut exprimer, sans passer par la parole, sans passer par le discours, qui est une intériorisation de l'action, comme disait Piaget, et qui ne parvient jamais à dire ce que je pense, ce que je sens, ce que je fais, dans la mesure où l'action est plus holistique, est plus dynamique, que ne pourra jamais l'être un discours, une écriture. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de communication qui seraient à privilégier quand on fait une certaine création? On le voit par exemple, même chez des enseignants ou dans certaines formes de formation et de perfectionnement, c'est à travers l'analyse d'une pratique montrée, discuter, confronter, moi je ferais que ça comme ça, moi je ferais autrement, regarde un peu comment j'ai fait, que la formation se fait plus réellement qu'à travers un discours abstrait, qu'à travers un discours organisé. Alors, est-ce que ça ne peut pas être la même chose dans le domaine des arts par rapport à l'artisanat pédagogique? Salle, ben, prépare-toi. Oui, préparez-vous, parce que ben, je peux essayer de répondre à ça. Là, un peu. Non, non, vas-y d'abord, Serge, et après, vous aurez le privilège de casser la glace de la salle. Ben, je réenchaînerai avec la dernière portion de votre intervention, où vous dites, mais à quoi ça peut bien servir à un artiste cherchant à mieux maîtriser son art, à quoi peut bien lui servir un discours abstrait? Sans doute à pas grand-chose, mais il n'est pas dit que le discours se limite à l'abstraction. Donc, on pourrait être, et puis vous avez raison de parler, de noter que souvent un artiste va comprendre ce qu'il fait, comment il fait, et désapprendre comment il fait pour faire autrement dans l'interaction qu'il a avec d'autres praticiens. Mais je pourrais tout à fait imaginer ce même processus dans son interaction avec des théoriciens, une fois dit que les théoriciens n'adoptent pas ce discours d'abstraction. Une fois dit que, par exemple, ils sont face à un philosophe qui, plutôt que d'imaginer qu'il fabrique des concepts comme la généralisation et l'épuration d'un certain nombre de cas pour trouver la ligne de généralité. Il imagine, encore une fois, excusez-moi de redevenir Deleuzien un instant, il imagine le concept comme quelque chose qui extrait l'événement, qui découvre la singularité plutôt que la généralité. Et à partir de ce moment-là, il y a un autre type de discours qui passe par l'écriture, qui passe par le verbe, essentiellement pour Deleuze, pour les philosophes, mais qui pourraient peut-être aussi passer autrement, mais comme ils sont engagés dans la construction de concepts, ça finit que c'est du discours verbal, du discours écrit, mais qui, plutôt que de tirer la forme de la généralité qui deviendrait un dictat normatif pour un praticien en apprentissage de son art, ça devient l'indication des points de singularité qui ont fait passer son art à travers une série de crises. Et du coup, là, j'ai probablement une forme d'interaction entre un philosophe et un artiste tout aussi stimulante qu'entre deux artistes qui questionnent leur art dans un studio new-yorkais des années 50. Mais parce que le philosophe a une pratique du concept qui n'est pas celle de Platon.
Et puis après ça, ben, moi je suis désolé, mais les artistes, ils passent leur temps à intellectualiser. Ils passent leur temps à bouturer leur geste d'action d'une action de la parole. D'une parole qui fait aussi. Un de mes étudiants appelle ça un pragmatisme théorique. Les artistes sont les premiers à adopter des concepts, à les démonter, à les remonter autrement pour leur donner une valeur pratique. C'est-à-dire à faire entrer le concept de rhizome dans leur plateforme web juste pour voir si ça va pouvoir faire autre chose qu'un fâcheux réseau social. Donc là, ils ont complètement... Alors là, c'est sûr que si on les regarde à la hauteur de la philosophie, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils font avec ce concept deleuzien? Ils ne comprennent absolument pas ce qu'il a dit, etc. Mais ça n'a pas une valeur conceptuelle à ce moment-là. C'est un concept qui a une valeur pratique, qui vient de dégager un geste de création. Et puis, en ce sens-là, ils ne sont pas très loin de Deleuze lui-même, qui faisait de la botanique en faisant un concept rhizomatique. Mais là, on est dans une autre forme à la fois de philosophie, puis une autre forme de pratique artistique. Je m'arrêterai là. Bonjour. Merci d'abord pour la belle discussion de ce matin. Je peux peut-être commencer par m'introduire très brièvement. Je m'appelle Benjamin Gialard, j'ai un bac en études de la communication à Concordia, un endroit où on fait également beaucoup de recherche-création. Et j'ai plusieurs questions d'ailleurs qui viennent peut-être d'une formation qui est différente que d'une formation en art, particulièrement si on regarde la recherche-création. J'ai d'abord une question pour M. Cardinal concernant peut-être une question épistémologique concernant la création de la connaissance. Ma première question, c'était comment une connaissance de la recherche-création peut être reprise par un autre domaine d'étude qui va peut-être revenir là, avec la première conférence qui a été présentée, ou quand une discipline peut apporter à une autre discipline. Et ma deuxième question s'adresse à Mme Fortin et à M. Gosselin concernant... la question de l'art dans la recherche-création. Je viens d'un milieu où on discute relativement peu de la question artistique en parlant de la recherche-création, parce que ce n'est pas simplement les artistes qui recherchent et créent. Mais je pense à mes professeurs à l'université, où certains étaient des artistes, d'autres des théoriciens de la communication, et plusieurs s'engageaient dans une pratique de recherche-création. Je me demandais si c'était les mêmes questions qu'on pouvait poser face à la recherche-création, si elle était faite par d'autres personnes que des artistes. Donc, finalement, ma question plus englobant les deux, c'est la recherche-création d'un point de vue interdisciplinaire, pour qui on la fait? Donc, pourquoi on fait la recherche, mais à qui on s'adresse quand on la fait? C'est pas facile, ces questions-là. Monsieur, vous voulez répondre? Non? Ben, pour répondre à votre question, je me servirai peut-être de cet exemple que je n'ai pas fait entendre. Donc, de cette création sonore de Chantal Dumas, qui décide par une composition de textures sonores, de gestes d'écoute, de mouvements, de spatialisation du son dans l'espace sur plusieurs haut-parleurs, me fait entendre, et tout ça intriqué à la voix d'une danseuse qui essaie d'expliquer de décrire sa propre expérience de son corps en mouvement inscrit dans un mouvement dansé. Donc tout ça, cette composition à la fois musicale, sonore et vocale, donnerait à un phénoménologue vraiment une expérience du corps qui n'est pas l'expérience ordinaire qu'il peut en avoir. Et ce faisant, des dimensions cinétiques et dynamiques de cette expérience du corps lui apparaissent, de sorte qu'il serait presque forcé de se dire qu'il y a une forme de stéréophonie transcendantale dans la subjectivité. Que l'unité subjective du corps, ce n'est pas l'articulation des membres dans un seul mouvement, c'est la synchronicité de plusieurs mouvements. Dispersé ou projeté, comme aurait dit Heidegger, projeté dans l'espace, dans le monde. Donc, ça jouerait Chantal Dumas pourrait jouer pour un
un héritier qui réécrit dans le dos la phénoménologie comme Jean-Luc Nancy dans son livre À l'écoute. Il aurait pu partir tout à fait par écrire son livre À l'écoute en partant de cette œuvre de Chantal Dumas, comme Merleau-Ponty a pensé sa phénoménologie en dialogue avec Cézanne. Voilà. Donc c'est une forme de, pour paraphraser un de mes collègues, une forme d'expérience augmentée du corps par le sonore, par la composition, qui rouvre les concepts qu'on croyait fabriqués une fois pour toutes. Par les moyens propres de la création sonore. C'est pas stimulant pour un phénoménologue parce que Chantal Dumas citerait Merleau-Ponty. C'est pas le cas du tout. Mais il arrive aussi qu'on est en présence d'une vraie quête artistique, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à comprendre la relation. Donc, c'est pour ça que je vais présenter la définition, la circonscription d'un paradigme de recherche-création, pour moi, doit inclure toutes ces autres facteurs émergents, en différenciant évidemment les objets de recherche. La personne va prendre, le théoricien va être porteur du discours, et là, c'est juste une juxtaposition, et c'est pas les mêmes. Pas le même processus pour les réponses. Oui, est-ce que tout travail de recherche n'implique pas nécessairement. Je m'excuse, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, Xavier Lombert. J'interviendrai cet après-midi. Est-ce que tout travail de recherche n'implique pas nécessairement une démarche de création? J'entends par là, et pas seulement dans le domaine artistique, j'entends par là que une démarche de recherche implique aussi de faire des découvertes, que ce soit dans le domaine scientifique, par exemple, ou dans des tas d'autres domaines, c'est-à-dire s'inscrire quelque part dans une rupture paradigmatique qui fait que là où on arrive, on est en décalage par rapport à ce qui était avant. Et je pense, je livre ça à la discussion, que la création artistique est un champ, un domaine singulier de la création en général, et que sa singularité est nécessaire. Elle est nécessaire justement peut-être parce que je pense que l'art n'a pas de fin en soi. Et c'est peut-être ce qui le différencie de la recherche scientifique. Et c'est peut-être justement en ça qu'il a quelque part une valeur paradigmatique par rapport à la question de la recherche. Voilà, c'est un angle, me semble-t-il, qui pourrait être intéressant à développer. Après, qu'il y ait des discours sur l'art, que l'art en tant que tel soit un outil de cognition, ne signifie pas que c'est qu'il ait une fin en soi. C'est un usage en quelque sorte, c'est une possibilité qui nous est offerte à travers l'œuvre, mais à travers la pratique artistique aussi. Je vais arrêter là parce que ça m'a échappé. Le jet lag, excusez-moi. Bonjour, je suis Caroline Moxion, élève en maîtrise art visuel, concentration création, donc en première année.
donc en plein dans ces questionnements de recherche et création. Ce trait d'union qui est parfois difficile à avoir, justement. Puis moi, ma question, c'est comment qualifier ou comment déterminer une œuvre issue de la recherche-création ? C'est-à-dire, est-ce que toute œuvre est issue d'une recherche-création ou est-ce qu'une œuvre issue de la recherche-création se différencie parce qu'elle produit du savoir ? Je rebondis sur cette notion de produire du savoir qui, pour moi, bah, je me demande si c'est inhérent à chaque œuvre qui est issue de ce processus de recherche-création. En gros. De répondre à ça parce qu'il y a une variété d'œuvres qui sont issues de la recherche-création. Il y a une grande variété. Il y a des œuvres qui ressemblent beaucoup plus à ce que l'art ressemble en général. Puis il y a des œuvres qui portent beaucoup la trace de l'utilisation qu'on a fait de l'art comme processus de recherche, comme on en parlait tout à l'heure. Les gens du domaine de la santé ou du psychologique et tout, et qui se servent de l'art pour suivre un processus d'intervention, ben, ce qu'ils engendrent finalement, ben, ça n'a pas le même caractère que ce qui est généré dans d'autres contextes par des équipes ou principalement où les acteurs sont principalement des gens qui viennent justement du domaine des facultés d'art là, traditionnelles, la danse, le théâtre, l'art visuel. Moi, j'aurais de la difficulté à dire qu'est-ce qui fait le propre d'une œuvre qui résulte d'une recherche-création, parce qu'il y a tellement de pratiques qui se réclament de la recherche-création qu'il y a une grande variété d'œuvres qui en résultent. Je verrais pas, j'aurais de la difficulté à déterminer le caractère précis d'une œuvre issue d'un processus de recherche-création. Tu veux répondre, toi? C'est parce que j'en profiterais pour répondre aussi à la question de Samuel Marraine. Pourquoi faire de la recherche-création? Je m'en dis au département de Nantes, il y a une table ronde et la question est posée à des chercheurs-créateurs pour terminer leur mémoire. C'est pourquoi faire une maîtrise en Nantes? Pourquoi faire une recherche-création? Il y a des tables rondes qui sont régulièrement. Et je ne serai pas là, je serai ici, mais j'ai l'impression que les étudiants vont répondre. Bon, pour certains étudiants, en Nantes, vont venir faire une maîtrise à cause des facilités d'espace, des facilités matérielles. D'autres étudiants vont venir en espérant devenir professeur d'université. Mais beaucoup d'étudiants, je pense, qui ont une pratique professionnelle, ils sont dans une conservatoire. Tu fais une demande de subvention, tu fais une création, il faut que tu fasses une deuxième demande de subvention. Il y a un certain rythme à la production. Et comme ils viennent à l'université, et ça c'est plusieurs danseurs, chorégraphes qui me l'ont dit, ça leur donne le temps de s'arrêter. Et certains sont en appétit de ce temps de pause pour penser, pour mettre des mots. Et parfois, ce ne sont pas que des mots descriptifs. Mais parfois, c'est des évocations qui peuvent prendre le temps de mûrir, peuvent être donc une espèce de culture sensible, poétique, évocatrice, qui nourrit leur processus artistique. Et comme je dis, je ne serai pas là demain pour savoir la réponse, mais les étudiants, les créatrices que j'ai, chorégraphes que j'ai à la famille, souvent me disent plusieurs années qu'ils ont utilisé le temps de la recherche-création à l'université, le temps du mémoire, etc., pour vraiment poser les bases de leur, en anglais, on dit artistic statement, poser les bases de leur pensée artistique. Et en ce sens-là, souvent, l'œuvre qu'ils vont créer sur le moment présent, lorsqu'ils font leur mémoire créative, ils vont porter en des germes de différence avec leurs œuvres précédentes, des germes qui vont vous aider, pour utiliser ton expression, qui vont se manifester complètement dans le développement de leur carrière de l'œuvre. Donc, peut-être que je vais aller à la conférence, à la table ronde, demain pour savoir si ça va être comme ça, si ces réponses vont être. Voilà.
Ben, je peux essayer de répondre à votre question très, très difficile. Comment on pourrait qualifier une œuvre de recherche-création? Je crois qu'il y avait un peu de ça dans votre question. Pour moi, ce serait une œuvre qui ne cherche pas à illustrer une idée, qui ne cherche pas à manifester un état, qui ne cherche pas à signifier, qui cherche à problématiser. Et je peux juste vous donner un exemple très concret de ça. Je souhaiterais qu'il soit l'un de mes collègues au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. C'est le Godard des histoires du cinéma, qui problématise l'histoire du cinéma et qui montre à quel point il est inséparable, évidemment, de l'histoire du XXe siècle, inséparable d'une histoire de la musique, inséparable d'une histoire de l'art, de la peinture, etc. etc. Et qui, voilà. Alors, il manifeste pas son, bien qu'il y ait une manifestation de son état mélancolique, bien que il y a une idée du cinéma qui se cache derrière ça, bien que Heidegger y soit cité. C'est pas ça qui en fait une œuvre de recherche-création pour moi. C'est vraiment parce que, avec les moyens du montage, du mixage, de la superposition d'images, de la coloration et de la décoloration, de l'absorption et de la coupure, il pose le problème de l'histoire du cinéma. Du coup, la parenthèse qui donne le pluriel des histoires du cinéma. D'une manière qu'aucun historien du cinéma n'a réussi à faire avant lui et après lui. Je m'excuse, on a perdu le micro. Il y avait d'abord des questions là-bas et on reviendra ici ensuite. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Audrey Villard, étudiante au doctorat en communication, doctorat conjoint à l'UQAM, en recherche-création, entre guillemets. Ma question est la suivante, peut-être elle va un peu dans le même sens de la question du monsieur dont j'ai porté le nom en avant. Si toute recherche est idéalement créative, et bien sûr il y a des chercheurs plus créatifs que d'autres, donc si la recherche est créative, est-ce que la recherche-création n'est-elle pas juste de la recherche dont l'opérationnalisation, dont la méthode, dont les moyens sont un peu plus des images, un peu plus des sons, un peu plus du mouvement que des mots? Et à ce moment, dans le milieu universitaire, donc si l'artiste reste artiste et que le chercheur créateur en milieu universitaire n'est-il pas juste un chercheur, voilà, qui utilise des moyens? Est-ce que votre question s'adresse à une personne en particulier? Non. Monsieur Van der Meren. À tous nous autres. Je voudrais d'abord réagir aussi à monsieur Tantôt. C'est faux de dire que toute recherche est création. Dans l'univers de la recherche depuis la moitié du 19e siècle au moins, un modèle important de recherche est la réplique d'une recherche, refaire une recherche de façon à vérifier, à falsifier un certain nombre d'énoncés. Et dans cette mesure-là, toute recherche n'est pas nécessairement une création. Il y a des reprises, des répliques qui sont essentielles à la stabilisation d'un certain nombre de connaissances quand il s'agit de connaissances. Maintenant, il y a à côté de ça d'autres formes de recherche. Et c'est là peut-être qu'il est important de mieux définir quels sont les enjeux de la recherche de chacun des types de recherche. Il y a d'autres types de recherche, évidemment, qui vont être créatives, mais toutes ne le sont pas. Sylvie voudrait répondre aussi. Ce n'est pas mon ordinateur, j'ai seulement une clé USB avec pas toutes mes images. Mais c'est en anglais, c'est lors d'une conférence que j'ai prononcée à l'intérieur dans une faculté de médecine, justement, il y a 2-3. Et bon, ce qu'on voit à gauche, ce que j'ai tenté de dire à gauche, c'est que dans le milieu artistique, dans le milieu professionnel, on utilise le mouvement, les images, le son, pour faire une création, donc une œuvre d'art. Et l'interprétation de cette œuvre-là va être polysémique, c'est-à-dire que les différents membres de l'audience vont avoir des interprétations divergentes de cette œuvre. Tout de suite, à droite, c'est
c'est le professeur d'université typique qui utilise des mots, des chiffres pour faire sa recherche. Et souvent, ça va être diffusé par des textes, par des livres, par des articles, par des conférences. Et encore là, les interprétations vont être assez convergentes. Oublions le jaune pour l'instant. À droite, on arrive avec ces concepts que, pour cette conférence à Terre-Neuve, j'avais appelé « art-based research », mais qu'on pourrait appeler aujourd'hui « recherche créative ». Qui comprend encore l'utilisation de mouvements, images, sons, etc. pour faire une œuvre d'art qui va entraîner une interprétation polysémique divergente. Et il va y avoir l'utilisation des mots, il va y avoir aussi la production d'un texte, d'un discours qui va inviter une interprétation convergente. Et de plus en plus, quand je vous ai présenté dans mon image, tout à l'heure dans ma prise de parole, il y avait le paradigme qualitatif avec trois postures différentes, dont la posture postmoderne. Bon, je mets ça dans une grande famille, vous m'excuserez, là, le postmodernisme, le poststructuralisme, mais il y a tout un positionnement par rapport à une culture qui invite des interprétations polysémiques, qui refuse le consensus, qui se positionne face aux différents jeux de langage. Donc, parfois, mes étudiants vont écrire, tout à l'heure, je parlais avec Jean-Marie Bernard-Marin, qui disait que par rapport à la recherche traditionnelle, il fallait délaisser un peu. Peut-être qu'il faut délaisser certaines formes d'écriture et inviter, donner la place à une nouvelle forme d'écriture, sensible, évocatrice. Mais ceci dit, on ne pourrait pas. À l'université, dans l'état actuel du développement de l'université, on ne pourrait pas engendrer une œuvre d'art et un discours complètement polysémique. Donc, il faut toujours qu'il soit un petit peu encadré, je dirais, avec un discours un peu plus conventionnel pour que les membres du jury d'évaluation s'entendent sur le propos qui est énoncé. Donc, voilà une proposition de réponse parmi d'autres à votre question. Mais vous savez, ces schématisations, c'est toujours gauche, maladroit, évolutif. Si tu veux, je pourrais peut-être ajouter une chose. Oui, Serge va ajouter une chose et Gisèle suivra. C'est un peu par raccourci que moi j'emploie les mots image, son, montage. Mais votre question, elle pointe dans une direction qui est pour moi extrêmement importante et qui est une sorte de zone de risque pour moi aussi. Il y a une sorte de. J'ai comme une foi en la différence. Au sens où. Parce que vous avez employé l'expression « Est-ce que la recherche-création, c'est de la recherche juste avec des images et des sons, alors que l'autre se faisait avec des mots? » Vous me dites non, c'était pas tout à fait ça, l'adverbe. C'est quoi? Un peu plus de. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Un peu plus de. Ça me permet de marquer, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas rien. C'est-à-dire, il y a une sorte de foi aveugle. Non pas dans la différence des sons par rapport aux mots, des images par rapport aux mots, mais dans la différence qu'ont ces sons et ces images une fois dit qu'ils sont passés à travers l'histoire des arts. Que donc ces sons et ces images sont aussi inscrits dans des poétiques, des rhétoriques, des régimes de représentation, des régimes esthétiques, etc. Et c'est tout ça qu'ils transportent avec elles, ces images, c'est tout ça qu'elles transportent avec eux, ces sons-là. Et c'est déployé avec une virtuosité exemplaire dans les histoires du cinéma de Godard, où, au fond, toutes les formes du montage qui ont traversé l'histoire du cinéma sont mises à contribution d'une réflexion sur cette histoire même. Donc, c'est pas juste des images et des sons, c'est aussi des formules de composition, des procédés de mixage, etc., etc., qui ont une longue histoire poétique. Et du coup, au fond, un philosophe, ça réfléchit. On n'a pas encore dit grand-chose quand on a dit « réfléchir avec des mots ». C'est-à-dire, ça aussi, ce serait une longue querelle en philosophie, c'est-à-dire, réfléchir avec des concepts qui passent à travers des mots. Mais là, ça ouvre la longue querelle. Est-ce que vous faites de la littérature ou de la philosophie, M. Jacques Derrida? Vous voyez, si vous vous promenez dans les universités américaines, Derrida est dans les départements de littérature. Il n'est pas dans les départements de philosophie, parce que pour les philosophes, il ne fait pas de concepts. Parce qu'il a mis sa pour eux, il a mis sa confiance ou sa productivité d'idées dans le feuilleté de la langue.
plus que dans la formulation de concepts. Et pour eux, déjà, ça problématise ce que c'est que la philosophie, comme nous sommes pris à l'heure actuelle avec cette problématique. Ça commence où et ça finit où, la création? Et c'est pour ça que moi, le mot création, il m'embête un peu, parce que même le matin, quand je me fais mes toasts, j'arrive à être créatif. Donc, c'est pour ça que... excusez-moi, c'est bête comme mes pieds, ce que je viens de dire là, mais ce que je viens de parler, c'est que pour moi, c'est pour ça que j'ai employé tout le long de la communication l'idée vraiment d'une pratique artistique avec son histoire, avec ses matériaux, avec ses techniques, tout ça mis en crise, évidemment, et c'est pour ça que j'ai employé le mot singulier, parce que pour moi, tout ça change, ça se transforme, et c'est là que se trouve pour moi la foi en « oui, ça pourrait penser ça aussi ». Gisèle. Oui, bonjour, Gisèle Trudel, professeure à l'École des arts visuels et médiatiques. Je voulais revenir justement, je rebondis directement là-dessus, c'est que quand on parle de qui, j'ai l'impression que la plupart des interventions voyaient le qui comme étant la singularité, donc la personne qui exécute le travail, ses outils, mais c'est la donner à la personne d'être le créateur quand on sait que la création est multiple. Et puis, j'ai un peu de difficulté en reposant sur le qui et même le où, parce qu'il me semble que la recherche-création nous permettrait de voir le comment dans l'ensemble des questions qui se posent dans une recherche qui peut englober les questions classiques, où, quand, comment, etc. Et quand on dit singularité, dans cette façon-là, on parle d'une subjectivité qui semble séparée d'un milieu où on existe. Alors, je voudrais quand même porter l'attention sur le comment de la recherche-création et dire que ça nous amène dans des rapports de subjectivation. Et la subjectivation, à ce moment-là, nous implique dans le milieu où on est, les grandes questions qui sont autour de nous, sociétales, environnementales. Et si on fait de la recherche, c'est parce que notre subjectivité est en jeu avec ces autres subjectivités. Et ce n'est pas le propre de l'humain. Alors, je pense qu'il faut faire très attention à ça dans la recherche-création, et surtout en milieu universitaire. Si on veut dire que c'est la recherche pratique, en art, je veux dire, on n'a jamais parlé dans ces termes-là, mais on est quand même au 21e siècle. Et si on dit que l'art est séparé de son milieu social, en disant qu'on est dans la subjectivité et la singularité du créateur, bien, pour moi, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, c'est plutôt un commentaire. Oui, écoutez, si j'ai donné l'impression que je employais le mot singularité comme synonyme de subjectivité au sens d'un sujet personnel, là, c'est que j'étais déjà pas très créatif à partir de mes toasts ce matin. C'est tout le contraire que je cherche à dire. J'emploie le mot singularité au sens où on pourrait l'employer en physique pour dire que le 100 degrés, c'est un point de singularité après une suite d'ordinaire, c'est-à-dire une mise en crise. Et donc là, effectivement, le singulier est au milieu de ces contextes dont vous avez parlé. Et c'est pas ce sujet personnel, tout-puissant, souverain, manifestant cette subjectivité à travers l'art, et très heureusement pour lui, en milieu universitaire, et pas dans le milieu social ouvert à toutes les pressions économiques et financières. C'est tout le contraire que ça vient de dire. Ah, excusez-moi. Lenny Hugues de l'Université Concordia. Je voulais juste peut-être redire quelque chose qui a déjà été dit, je pense, mais en tant qu'artiste, là je suis à l'université, mais évidemment, je connais beaucoup d'artistes qui ne le sont pas. Et les artistes, régulièrement, vont itérer, si on veut, entre le faire et la pensée, et le refaire et repenser. Alors, je comprends tout à fait que quand on essaie de sauver une action, une performance, une action artistique d'un écrasement ou de quelque chose d'autre que j'ai déjà senti moi-même, mais ça, parfois ça sonne un peu
binaire, c'est juste un peu trop. Parce que vraiment, les artistes utilisent beaucoup une pensée intellectuelle, conceptuelle, etc. Il restera deux questions. Madame d'abord, monsieur, vous aurez l'honneur de fermer, de clore la journée. Oui, bonjour. C'est un peu un détour. Je voulais juste revenir à la question. Est-ce que vous voudriez vous présenter? Oui, bonjour, Karine Cossette. Je suis étudiante à la maîtrise en art visuel, concentration, création. Je voulais revenir à ce que la question de ma collègue tout à l'heure. On a fait un gros tour, là, mais... par rapport à la singularité d'une œuvre issue de la recherche-création, à savoir si c'était nécessairement une œuvre qui amenait à la production de savoir. Monsieur, vous avez répondu en disant que souvent les œuvres issues de la recherche-création étaient amenées à problématiser des idées avec l'histoire du cinéma de Godard. Revenir à la question, à savoir si l'œuvre de la recherche-création est nécessairement une œuvre, la plupart du temps, référentielle à sa discipline. C'est à moi que je pose. Ben, ou à... Non, pas du tout. L'autre cas que je donnais, celui de Chantal Dumas, par exemple, c'est quelqu'un qui, par l'art sonore, pense, j'allais dire la danse, mais c'est même pas encore ça, c'est le corps en mouvement. Ça pourrait être le corps d'un ouvrier, et ça nous amènerait dans le champ social dont on a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Dans le sens où, souvent, l'avancement du savoir dans une discipline peut passer par une autre discipline, bien mais sûr. Revient toujours à redéfinir par rapport aux productions précédentes l'art dans lequel, l'art de maintenant, dans le sens où je reviens à la question de monsieur tout à l'heure, la découverte, ou de revenir à est-ce que c'est toujours une réplique à la discipline ou à l'interdisciplinarité de faire avancer le savoir dans une discipline. Ouf! Est-ce que je sais quand? Est-ce que j'ai le dîner pour réfléchir à ça? C'est assez compliqué, ça. Parce que j'ai accroché sur le mot réplique, monsieur, ouais. Et dans le sens où la réplique n'est pas nécessairement une création, mais beaucoup de créations dans des disciplines sont des répliques à l'art précédemment. Oui. Ben, je nous écoute, là, et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut entendre réplique au sens de donner une réplique assassine à quelqu'un. Donc, je pense qu'on est, s'il y a des répliques, s'il y a un dialogue avec des répliques, c'est plutôt une mésentente ou des pourparlers, pour paraphraser deux philosophes qui planent au-dessus de nous. Ça serait avant le dîner, ça serait ça ma... Micro. Bonjour. Je m'appelle Eddie Firmin, donc je suis inscrit au doctorat en études et pratiques des arts. Alors, c'est peut-être une anecdote, mais j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus. Avant d'arriver au doctorat, le titre « Recherche-création » m'a toujours un peu perdu. Alors, je me disais, mais je suis un artiste, donc je serais un artiste-chercheur, et pas un chercheur-créateur. Parce que finalement, la recherche en création fait intervenir d'autres domaines. Ben, j'ai une amie qui est en ethno, elle se crée au doctorat, elle vient d'ethno, et elle se sert des pratiques artistiques pour pouvoir faire une investigation sociale de certains univers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je fais référence aussi aux pratiques analytiques créatives qui peuvent être utilisées dans différents domaines, donc qui utilisent l'art. Comme je ne sais pas qui l'a dit là, mais comme un objet de recherche en soi et un moyen. Et là, moi, alors c'est peut-être une question très simple. Hein. Moi, j'aime les questions simples. j'ai du mal. Alors, j'aimerais que vous m'éclairiez parce que j'ai du mal à me positionner en chercheur créateur, mais plutôt qu'en tant qu'artiste. Ayant une performance, et j'entrevois en tout cas moi la création artistique, et du moins cette chose qui est de nommer, de dire, ou de théoriser comme une performance. C'est-à-dire que c'est une autre création sur ma création,
La création ne s'arrête pas, enfin pour moi, ne s'arrête pas sur l'objet à décrire ou à tenter de comprendre ou à améliorer son dire. La création continue dans la théorisation et en fait c'est un parallèle. Et à chaque fois que j'interviens à l'extérieur ou dans des espaces, ça devient une performance pour moi. Donc le dire théorique devient aussi une performance. Et je ne sais pas qui a dit que c'était la création continuait en dehors et que c'était le geste primordial. C'était d'abord l'action. Et je le crois. Alors elle est très simple ma question, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. À qui est-ce que vous vous adressez? Est-ce que vous avez... Sylvie va répondre. Une très, très brève réaction. Je m'intéresse à la santé de façon générale. Je m'intéresse à la santé de mes étudiants qui sont des doctorants et des étudiants. Et parfois, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils fassent une œuvre d'art, qu'ils produisent un discours théorique savant, qu'ils produisent un discours sensible évocateur et qu'ils fassent une belle documentation très esthétique sous forme médiatique. Parfois, ils ont des enfants, mais je veux dire, il faut faire attention aussi à ne pas faire des demandes excessives à l'artiste chercheur ou chercheur créateur qui s'engage dans un programme de travail. C'est une parenthèse. Est-ce que ça s'adressait à toi, Pierre? Je n'ai pas dit ma partie. La question, c'est que je me sentais perdu sur la dénomination chercheur-créateur, oui. Enfin du moins recherche-création. Okay. Voilà. Si je comprends bien, pour vous, on serait mieux de parler d'artiste-chercheur plutôt que de chercheur-créateur. Est-ce que c'est ça que vous voulez amener? Okay. Non, en fait, dans ce que vous avez dit, que vous voyez le discours comme une performance, appelons-le une performance si on veut, mais sa visée n'est pas la même que celle de l'art, comme on a dit tout à l'heure, qui est une pratique qui n'a pas de finalité précise. Le discours a une finalité autre. C'est que, et Sylvie montrait tout à l'heure cette image, l'image qu'elle a montrée, elle disait que le discours appelait des interprétations plus convergentes, alors que les œuvres appelaient des interprétations polysémiques. Mais c'est comme ça que je trouverais à vous répondre sur ce point précis-là. Là. Alors, je vous remercie. On s'est retrouvés devant quelque chose qui nous dévoile à aimer, nommer, redouter, nommer pour fermer. Et je pense qu'effectivement, on est dans un champ qui cherche à nommer, sinon à se nommer. Et me revient le titre du premier colloque qui était « Dans l'université du 21e siècle ». Et justement, à partir de la question de M. Van der Maren tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la recherche? On pourrait dire qu'est-ce que c'est la recherche maintenant? Et qui est ce créateur-chercheur? Et je pense qu'à travers ces données-là, on arriverait à ouvrir une saisie de ce qu'est où sera l'université du 21e siècle. Tout ce parcours nous remet devant l'université fragilisée dans le 21e siècle et nous avons des éléments de questionnement et de réponse à travers ce qui s'est dit et dans la salle et évidemment à la table à la salle en réaction à ce que la table nous proposait. Dans tout ce que ça disait et dans tout ce qui n'a pas été dit aussi. Ça fait partie de l'affaire. Alors, je vous souhaite bon appétit. Nous avons été d'une docilité complètement désarmante, par moments inquiétante. Il est 12h01. Alors, oui, merci. Là, c'était... Je rappelle que les participants et les organisateurs sont appelés à se retrouver dans la chaufferie et je vous invite tous à nous retrouver cet après-midi pour la séance.